Hey, j'aurai 1 million de likes. Et si je mets cette position, comme Boli Boli Tibelo, hein, le plus grand photographe. Hey, j'aurai 2 millions de likes. J'aurai de vues partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, je demande? Moi, je occupe-toi de tes affaires. Tu as besoin dans cette position. Essaie un peu de te mettre dans la photo. Imagine quelque chose. Souris pour moi. Tu ne souris pas. Qu'est-ce que tu fais, je demande? Ah, occupe-toi de tes affaires, oh. Dans ce cas, je ne veux pas rester comme ça. Je te pose la question de savoir ce que tu es en train de faire. Mon cher, je serai une star. Une grande star. Tu sais que des bonnes caméras ne font pas... Les bonnes caméras font... C'est alors que tu auras des bonnes photos. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Même si ça fait... Aussi longtemps que j'aurai des belles photos, c'est ce qui m'importe. Je serai une star. Essaie juste d'imaginer moi en train de prendre ce genre de pose. Puis je prends une position genre 3-6. Tu veux devenir un genre photographe avec toutes les bêtises que tu fais ici? Je suis dans le processus, non? Je suis dans le processus. J'ai ces rêves. Hein? J'ai cette passion. J'ai cet amour pour la photographie. Tu vois, hein? Je veux aller à l'étranger. Comme par exemple la Malaisie, Jakarta, prendre de très belles photos avec des présidents, des gouverneurs. Me mettre en relation avec eux pour faire de l'argent. C'est ce que nous devons parler en ce moment, faire de l'argent. Tu sais, on dit toujours que quand un homme grandit en âge, il doit commencer à penser très grand. Oui, non, alors. Et c'est quoi mon affaire? À quoi est-ce que ça me concerne? Mais si une femme s'y mêle, alors on va travailler ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, on va travailler ensemble. Es-tu une attrape-femme? Hein? Attends un peu, es-tu ce genre d'homme qui pense que lorsque tu trouves une femme, ou que tu trouves une femme riche, que tu te mettes en relation avec elle, et c'est qu'est-ce ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? De quoi parles-tu? Hein? Tu es un homme africain, un homme nigérien très très fort. Tout homme doit se battre, faire de l'argent de toi-même, parce que les femmes pensent différemment. Tu dois te battre pour faire de l'argent, non? Comme tes amis. Hein? Gagne de l'argent, non? Va là-bas à l'extérieur et gagne de l'argent comme tes amis. N'essaye jamais de dépendre sur une femme. Est-ce que tu m'entends? Une femme réfléchira toujours différemment. Et c'est pourquoi elles ont été créées à partir de nos côtes. Elles se comportent différemment. Alors une fois que tu auras de l'argent, tu pourras les épouser, les garder et même leur dire quoi faire. N'attends pas. Écoute, tu n'as plus cet âge. Tu atteins presque la quarantaine. Hein? Alors, tu devras faire de l'argent de toi-même. Tu ne devras jamais dépendre d'une femme. Sais, mec, sinon, attends, mon cher. Là n'est que question d'amour. Quel Ma amour? Femme ne va jamais me décevoir. Quel amour? Hein? Quel amour? Bien, c'est ton problème? Moi je te parle de l'argent. Comment faire de l'argent? Et tu me parles de l'amour. Nous ne sommes même pas d'ailleurs en train de faire au même niveau. Alors laisse-moi. Hein? Imagine un peu ce genre de pose que je veux prendre par exemple. Monsieur Poutine, Donald Trump. Tu vois, notre président. Ce genre de pose. Hein? Mec, regarde, répondons cette conversation. À la prochaine. Donc tu t'échappes, hein? Pas du tout, allons juste boire. Tu t'échappes kitty. Hein? J'aime ça quand tu ramènes de conversations comme ça et que je te gagne. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne réfléchis pas. Alors, laisse-moi t'apprendre, laisse-moi t'enseigner quelque chose concernant la vie. Tu viens avec moi ou pas? Je ne viens pas. Viens avec le grand garçon. C'est qui les grands garçons? Hein? Toi, grand garçon, depuis quand? Va boire. Et tu parles comme ça, si je te laisse, tu vas commencer à courir après moi. Viens prendre un verre avec un grand garçon. C'est la seule chose que tu sais faire. Réfléchis à comment faire de l'argent. Tu ne réfléchiras pas à comment faire de l'argent. Tais-toi, connard. Tu vas... Les sons de ta photo, c'est... Je t'ai déjà parlé de ça, non, mais tu es toujours là. Tu es pauvre, mais tu vas encore aller boire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette boisson que j'avais pris hier à la maison. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vraiment, c'est du bon vin. Karine est où? Ce que tu fais n'est pas encore prêt? S'il vous plaît, laissez-moi. Je ne connais pas là où elle habite. C'est quoi le problème? El Chama! Oh mon Prézo! Ravi de te voir, Prézo! Nous sommes heureux de te voir, Prézo! Bienvenue! Je vous salue, messieurs!
Les postes de contre Préso. Meilleur client, bon après-midi. Hé, Préso. Mon Préso. Merci beaucoup, Préso. Mon Préso. C'est comment, les mecs? Au de coup, reste un peu, non? Bien, Préso. Au de coup, reste un peu. Au de coup, je rêve d'être comme toi. Le meilleur client. Tchama, les grands. Je serai comme toi. Regardez, je serai comme toi. La Chine, ok? Et je ferai de vous des grandes personnes. Préso. Tchama. Vous savez, moi et mon ami, nous avons des très grands rêves. Obila, Chama, qu'est-ce que ton frère dit? Regarde-moi, j'ai eu un boulot pour toi. Ah. Oui, boss. Alors, je pense que c'est une grande affaire. Ah. Je sais que tu es prêt à t'entendre. Nous allons le faire, mais c'est un grand business. Nous allons le faire pour toi. On attendait que tu sois Préso. Odeko, c'est ça que tu viens de lui parler. En parlant de mon ami qui est à la maison, hein, on dit qu'un ami dans le besoin et qu'un ami malgré tout. Peu importe le genre d'affaires, nous allons le faire. Chama, tu fais comme si tu... Tu étais en train de jouer. Oui, voilà pourquoi je suis venu prendre le verre ici. Oh, d'un coup. Oh. Égalité. Mais, dis-moi, c'est le bon son, non? Je ne sais pas comment servir les clients. Viens d'abord ici. Je ne sais pas faire qu'est-ce le travail. Qu'est-ce qu'il y a, non? Nous sommes ici, nous t'attendons. Et toi, tu fais autre chose. Mais vous n'avez pas encore fini. Mec. Oui, heureusement que je t'ai trouvé, mec. Comment dis-moi d'abord, mec, c'est comment, dis-moi d'abord, c'est comment. Je vais bien. Alors, regarde, je t'ai amené un business, mec. Toi, quand je te passe des affaires comme ça, tu ne te souviens même pas de moi. Il y a une affaire, mec. Un business? Où ça? Je viens de prendre un verre dans une terrasse, mec. J'ai rencontré quelques garçons qui m'ont proposé une affaire. Alors, on doit y aller maintenant pour faire cette affaire, tu comprends? Oh, donc tu reviens tout juste du bar. Tu es ivre, alors tu vois, je t'avais dit que je ne voulais pas boire, alors va-t'en s'il te plaît. Donc tout le monde se retrouve dans un bar et ivre. Il est automatiquement ivre. Mon frère. J'ai des plans, je vais faire de l'argent, j'ai déjà dit ça avant. Je ne veux pas aller dans un bar. Hein? Boire ne m'intéresse pas, je veux rester ici réfléchir comment gagner de l'argent. Je veux être comme Tibelo avec plus d'argent. Ah, j'ai une carrière. Je ne suis pas ici pour blaguer, je suis venu pour des affaires, c'est vraiment du business. Es-tu d'accord ou non? Tu as un business? Oui, pour nous deux? Oui. Es-tu sûr? Mon cher, allons-y. Attends d'abord que je ferme ma maison. Ah, et je te parle de quelque chose de très important. Attends d'abord que je ferme. Je crois que c'est sérieux si tu le dis. J'arrive. Allons-y. Alors, maintenant, là, ça t'a changé en quoi? Au cas où on venait me déposer quelque chose, tu pourras la récupérer pour moi. Oui, les voici. Es-tu sûr? Charmagne est sauvé. Alors les mecs, bon c'est comment? Bienvenue monsieur. Que c'est sérieux. Bon après-midi. Alors, asseyez-vous. Alors, ça dit quoi? Chama, tu as fait ça? Regarde les clients, va servir. Mon cher, tu veux dire quoi c'est lui? Comment vas-tu? Non, je vais bien. Je vais te rappeler, d'accord? Je vais te rappeler. Bon après-midi. Oui, bon après-midi. Mon ami Achike m'a dit que vous avez un boulot pour nous. Oui, oui. Regarde, c'est une petite portion de terre que j'ai obtenue. Tu me comprends? J'ai besoin de vendre ces terres. Je veux juste des hommes qui vont me les arranger. Okay. Hein? Ça se trouve juste en ville là-bas. Vous comprenez? Nous devons d'abord partir. Nous pouvons avoir un ou deux ou trois bus qui peuvent nous suivre. C'est ce terrain-là que tu appelles une petite affaire pour toi. Cet endroit est un grand business, oh. C'est un très grand business. Ne me facturez pas si cher, non? Hein? Alors tu es chanceux. Ah oui, là-bas nous aurons besoin de hommes qui peuvent utiliser leur force, tu vois. Je peux vous faire confiance? Mon frère, on ne fait pas ce genre de choses, tu trouves un peu... C'est quand on était petit, on a grandi, mec. On a grandi tout le jour. On a déjà passé les niveaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas sérieux. J'avais juste fait si j'ai... Okay. Ce n'est pas un problème. C'est un travail. mon frère, attends, est-ce que je peux comprendre ce que tu veux que nous trouvions deux hommes et que nous trouvions dans ce champ? Oui. Le prix est à 50 000. Je n'ai pas compris. C'est un Naira ou Kubo? Ah, 50 000, non? Quel Naira? Quel Kubo? Un 50 000? Attends, donc nous allons appeler toute ta famille de venir. Je ne comprends pas. Donc tu as dit que tu dois appeler pour d'autres personnes pour venir faire ce travail? Non, mais tu as dit qu'on te fasse un travail. Oui. Un très bon travail. Uh-huh.
Oui, non, nous allons faire venir des hommes et nous allons tout arranger. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler par exemple 10 hommes et que nous payons 5 000 par personne. Tu comprends? Et le boulot sera fait. Et d'ailleurs, si je prends 5 000, c'est parce que Achiki est mon ami. Ok, ok, d'accord. Ils vont travailler pour moi. Ah, donc c'est ça ton idée. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que je vais vous donner pour tout le travail que vous allez faire, c'est seulement 30 000. C'est tout. Je ne vais pas dépasser ces montants. Si ça ne va pas, vous laissez. Non, non, 30 000 ne marchera pas. Ok, ok, ok. Et c'est bon, d'accord. On prend ça. Oui, on accepte l'offre. Prendre quoi? Oui, oui, on accepte l'offre. C'est très bon. Alors, mec, prendre quoi? Dis-moi d'abord. Viens, on va en parler quelque chose. Viens vite, viens s'il te plaît, viens, on va en parler. Je ne fais que vous attendre. C'est exagéré, non? Ah, mec, je vous attends. Je vais d'ailleurs te taxer 70 000. Mec, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce non, que c'est? Mais qu'est-ce qui te dérange? Hein? Et pourquoi tu demandes beaucoup d'argent comme ça? Pourquoi 50 000? C'est quoi ton problème? Quoi? Tu dis 50 000, c'est quoi? Mais c'est beaucoup trop, non? Donc toi, tu penses que 50 000, c'est beaucoup d'argent? Hein? C'est quoi 50 000? Écoute, je t'avais dit que j'ai des plans. Je ne suis pas un homme pauvre, je dois aller à l'étranger. J'ai des ambitions. D'accord. Ce n'est pas d'ailleurs 50 000 que je cherche. Tu as des petits rêves. Moi aussi, j'ai des très grands rêves. Mais tu dois comprendre une chose importante. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est quel genre de proverbe de pauvreté comme ça? Hein? Le proverbe des hommes pauvres comme ça. Goutte, 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 quand est-ce que ça va se remplir? Hein? Est-ce que tu t'es d'ailleurs déjà demandé quand est-ce que cela pourrait vraiment se remplir? Tu dois aller de l'avant, tu dois aller à l'étranger au lieu de rester ici, d'attendre de petites gouttes que tu ne sais même pas quand ça va se remplir. Est-ce que tu as l'argent? N'es-tu pas un homme pauvre? Je suis un potentiel. Tu es potentiellement pauvre. Je suis un potentiel. Regarde ce que tu as mis sur ta tête. Je suis un potentiel. Regarde tes chaussures. Voilà, regarde ton pantalon. Regarde ton pantalon. Regarde-toi, regarde la santé que tu as. Et tu n'as même pas honte. Ça fait combien de temps que tu ne sais pas t'acheter de quoi manger? Et pour un homme potentiellement riche. Écoute, mon cher, si tu veux, tu peux rentrer là-bas à l'intérieur. Que tu acceptes 30 000, que tu acceptes 50 000, que tu acceptes 70 000, ce n'est pas mon problème. Moi, je cherche des millions. Ah ah. Lorsque je partirai, puis je reviendrai, les gens commenceront à m'appeler Chidi Millionnaire. Alors, et toi, regarde, mec, tu sais, est-ce que je veux que tu fasses maintenant? Tel que tu t'étires là, il faut t'en aller. Enlève-moi d'abord ta main. Tu me dis que j'entre à la maison. Tu es qui? Tu es mon père? Parce que si tu entres là maintenant, tu vas plus me reconnaître. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Ah ah, si tu veux, tu peux aller. Oui, c'est 30 000 là. Si je te les donne, tu vas vraiment t'empresser. Moi, m'empresser? Tu vas chercher à t'acheter des choses. Moi, m'empresser? Et tu vas même chercher à t'acheter des plantains. Tu ne me connais pas bien. Écoute, je suis un homme riche. Je suis un potentiel riche. Va seulement à la maison. Rentre à la maison. Et à partir de maintenant, je ne veux plus que tu parles. Rentre à la maison. Laisse-moi tranquille. À la maison. Tu n'as pas honte. Tu n'es qu'un pauvre. Va-t'en. Tu vas rentrer là-bas toi-même. Je ne veux plus rentrer avec toi. Ah, que je parte comme ça. Tu n'es qu'un pauvre. Ne reviens plus ici, malade. Alors. Où est parti ton frère? Ok, mon ami est allé faire une petite course. Ah. Mais tout se passe très bien. Ok, oui. Ok, d'accord, on va faire ça. Je suis d'accord, on va faire ça. Vous allez le commencer dans quelques temps. Il n'y a pas de problème. Ah! Ekaide! Apporte-moi une bouteille, s'il te plaît. Ekaide! Je ne comprends pas cette femme. Si tu ne sais pas travailler, va dormir. Je ne veux pas des retards, sinon tu ne vas pas prendre de l'argent. Si je t'appelle encore pour la deuxième fois, tu auras un problème. Oh. Travaille bien. Oh. Alors, reprends. Problème n'importe quoi. Accorde de l'argent, c'est que tu fais. Laisse faire des bêtises. Ça n'a pas de sens, hein? Oui, maman. J'arrive. Ok.
ce qu'il a dit. Qu'aucun homme ne va venir avec cette face. Hein? Pourquoi tu rajoutes tout ça? C'est bien d'être naturel. Hein? Maman, tu as tort. C'est ce que les hommes aiment ces derniers temps. C'est pas comme si je faisais pour qu'un homme puisse m'aimer. Non, je le fais pour être à la mode. Maman, ces derniers temps, tu ne peux plus sortir sans pour autant faire du make-up. D'ailleurs, quelques-unes de mes amies mettent des ongles et aussi au niveau du cils, ils mettent quelque chose. Oui, je comprends, du faux cils et tout le reste. Elles teintent, voire même les cheveux. Maman, donc, laisse-moi juste comme je suis. Oh. Sandra, je suis ta mère. Je te parle de ce qui est bon pour toi. Être naturel, c'est beaucoup mieux. Sois toi. Laisse la couleur de ta peau respirer. Je veux que tu gardes la face de ta naissance. Hein? Je ne peux pas te décevoir. Je suis ta mère, je ne peux pas le faire. Et tu dois arrêter de t'opposer à moi. Parce que j'ai plus d'expérience que toi et j'ai vécu avant toi. Vas-y, lave ton visage. D'accord, maman. Je vais utiliser les nettoyants du visage à mon retour. Tu voulais que j'achète quelque chose pour toi? Je veux que tu délivres un message pour moi. À mon ami Egema. Mais avant d'aller, vas-y nettoyer ce make-up. Enlève ça. Maman, laisse-moi d'abord partir et je viendrai nettoyer à mon retour. J'ai bien dit lave ton visage. Je ne vais pas voir ce make-up. Mais qu'est-ce qu'il y a? Peindre son visage comme ça. Tu veux devenir une œuvre d'art? J'ai bien dit enlève ça. Sois naturel. Je vais voir le visage de la fille dont j'ai donné naissance. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse ton teint naturel. Restez naturel. C'est quoi encore le make-up? Salut. Salut. S'il te plaît, attends. S'il te plaît. Bon après-midi. Bon après-midi, que puis-je faire pour toi? Rien de grave. En effet, si je t'ai fait arrêter en ce moment, c'est juste que j'aimerais te parler, s'il te plaît. Tu aimerais me parler? Écoute, j'ai pas assez de temps. Je t'écoute. Que me veux-tu? Ok. Est-ce que je puis connaître ton nom? Je ne dis pas mon nom aux étrangers. C'est tout ce que tu as à dire? Parce que je n'ai pas vraiment le temps. Bien. Qu'est-il alors si je te donnais mon nom? Je ne veux plus du tout être un étranger pour toi, d'accord? Ok. Mon nom est Chidi. Enchanté de te connaître. Tu vois? Tu es très très belle. Et il est vraiment mal que tu te tiennes sous le soleil. S'il te plaît, est-ce que je peux t'emmener où il y a de l'ombre? Pourquoi essaies-tu d'être gentil? Oh non, ma chère, je n'essaye pas d'être gentil. Je suis juste réaliste. Je sais juste de statuer ce que je vois. Tu es très très belle. Ne peux-tu pas voir ta peau? Ça brille. Aux éclats. Alors s'il te plaît, est-ce que je peux t'emmener dans un endroit où il y a de l'ombre, s'il te plaît? Je ne suis pas intéressée. S'il te plaît, écoute, s'il te plaît. Très belle fille. Juste une minute de ton temps, s'il te plaît. Je promets que je ne te prendrai pas assez de temps. S'il te plaît. Par ici. Je m'en vais quelque part. Je dois faire un truc pour ma mère. Juste une minute. S'il te plaît. Hein? Juste sérieusement. Une minute. 30 secondes, j'aurai déjà fini. D'accord. Essayons juste d'aller de l'autre Fais côté. Vite. Que je te mette à l'abri. C'est juste que je ne veux pas que tu restes sous ce soleil. Ok. Je crois que cette ombre peut déjà nous aider. D'accord? Oui. C'est pas mal. Au moins, je suis à l'aise maintenant. As-tu toujours été aussi gentil? Je suis une bonne personne. Et ça pour tout le monde. Et particulièrement ceux qui sont gentils envers moi. Mais je ne suis pas l'une de ces personnes. Je veux dire, il y a cela quelques minutes, j'ai été rude avec toi. Oh non, ne dis pas ça. Tu n'es pas une méchante personne. Tu es très très belle. Tu n'es pas seulement belle, tu es gentille. Tu es douce. Oui. Et tout ce qui vient de se passer il y a quelques minutes passées, je ne l'ai pas considéré en tout cas. Tu as juste essayé d'être défensive. Tu es une très belle femme. As-tu toujours été aussi charmeur quand tu parles? Parce que je commence à te voir
sous un autre angle. Bien, comme je l'avais dit avant, je ne suis qu'un réaliste, ok? Je ne fais que voir ce qui est clair. En fait, oui, je suis éloquent. Et je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais toujours comment faire avancer les conversations. J'essaie juste d'approcher la causerie. Oh, tu essaies encore d'être défensive, n'est-ce pas? Bien. Puis-je connaître ton nom maintenant et au moins avoir ton numéro? Celui du téléphone. Qu'est-ce qui te pousse à croire que je te donnerai mon nom et mon numéro? J'aimerais juste connaître ton nom afin de te connaître et aussi avoir ton numéro pour t'appeler à tout moment que j'aurai besoin de te voir. S'il te plaît. J'ai pas envie de recevoir tes appels au téléphone. Vraiment? Ça veut dire que je commencerai à te traquer chaque jour dans ces villages. Comment peux-tu dire ça? C'est juste que je m'amuse. Je m'amuse. Tu avais dit que tu voulais voir quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Tu sais quoi? Quoi? Laisse-moi te proposer un deal. Ok. Je me rends quelque part. Si tu restes planté là jusqu'à mon retour, mm-hmm. dans ce cas, je te donnerai mon numéro. Mais si je ne te trouve pas, dans ce cas, oublie. Une autre tâche très très difficile. Alors je dois attendre ici que tu partes et que tu reviennes. Bien. Je connais que c'est la route qui mène chez toi. Et moi, je vais t'attendre ici. Mais si seulement tu prenais une autre route pour aller chez toi, je vais te chercher. Crois-moi. Tu dois avoir la foi. Puis-je maintenant connaître ton nom? Mon nom? Ouais. Laisse-moi réfléchir. Sandra, je te verrai plus tard. Sandra. Mais quel joli nom. Pour une très belle femme. Sandra. Regarde. Sandra, je vais juste attendre ici, d'accord? Ok. Oui, même si ça prendrait toute la vie. D'accord. S'il te plaît, sois prudente, d'accord? Ok. Je continue à attendre. Que tu me donnes ton numéro. Son nom est Sandra. Sandra? Sandra? Je t'appelais. Je peux voir que tu m'as retrouvé. Oui. À chaque fois qu'un homme cherche quelque chose qui est si proche de son cœur, il va jusqu'aux extras pour l'obtenir. Puis-je avoir ton numéro? S'il te plaît. 07-033-22-00-111. S'il te plaît, peux-tu me le rappeler? S'il te plaît. Allô? J'ai juste appelé pour te dire merci. Il s'est fait déjà nuit, monsieur. Oh, vraiment? Ok, merci. Je t'en prie. Allô? Viens d'abord. Ekaïté? Mon client. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le vent d'aujourd'hui est très très doux et c'est pas comparable à ce que tu veux dire. Qu'est-ce que vous en avez fait? Non, mais c'est vrai. Et s'il te plaît, apporte-moi une mesure. Apporte une autre mesure, s'il te plaît. Hey! Mmh.
Donne-moi, je vais boire, non? Je ne te donne pas ça, oh. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que tu avais pris avant, tu n'as pas payé. Ah. Hier, tu n'as pas payé. Et ça, là, tu n'as pas encore payé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais donne-moi ma boisson. Je ne te donne pas. Tu vois cette boisson, même si tu l'as vue dans tes yeux. Je ne te donne pas ça sans argent. 6 000 naira. Moi? Oui. Et je te dois 6 000. Oh, gars, donne-moi l'argent. Où tu veux que je paye? Est-ce que d'autres ont pu consommer? S'il te plaît, arrête cet enfantillage. Je n'ai pas de problème. Donne-moi mon argent. Oh, gars, donne-moi mon argent. Tes yeux, là, sont clairs. Non, mais arrête cette bêtise. Arrête ce que tu fais. Je n'ai pas le temps de faire ça avec toi. Donne-moi mon argent. Je ne prends pas les frais des autres pour les mettre sur ma tête. Attends, je peux apprendre la liste de tout ce que tu as pris. Je reviens. Dans ce cas, je t'attends ici. Je ne partirai pas de cette buvette. Non, je vous attends ici. Oui, regarde ça. Donne-moi ça. Da. Alors, paye mon argent. Tu sais, c'est juste moi qui te donne ça. Je ne suis pas là, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Non, ce n'est pas vrai. Il faut que je te paye tout ça, c'est ça. N'est-ce pas ton nom qui se trouve dans la liste? Dis-moi, tes yeux là ne voient plus bien. Tu verras aujourd'hui. Je ne reconnais pas. C'est déjà ici, c'est à moi. C'est tout ça, aussi, c'est toi. Moi. Amaka. Non, ne touche pas à ça, non, ça fait très mal. Oudo, désolée. Amaka, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amaka? Je te pose la question, réponds-moi. J'ai dormi, puis je suis tombée. Juste comme ça? Tu dormais par après, tu es tombée. C'est ce que tu me fais croire? C'est juste ça? Tu as l'air d'une personne qui s'est battue avec le monde entier. Amaka, comment es-tu tombée? Ne me mens pas. Hein? Donc tu n'as plus de yeux, tu ne sais plus voir? C'est quel genre de question que tu me poses? Je t'ai dit que j'ai dormi puis je suis tombée. Que veux-tu que je te dise? Hein? Et tu pleures. Tu es tombée par terre et tu pleures. Ça c'est fait ça? Trop mal, non? Ok. Désolée. Oh mon Dieu. Je pense que cette là n'est pas trop chaude. Parce que ça me fait trop mal. Mais voyez-moi celle que je cherche à aider. Je cherche à t'aider, tu t'es plaint. Tu n'as pas de choix, ma belle. Vas-y doucement. Oh. Tu sais quoi? Prochainement, quand tu vas t'endormir, tu vérifieras bien les lits pour ne plus tomber. Et si tu t'inquiètes, tu es obligée de me les dire. Désolée. Ah, non! Isoma, vas-y doucement, non, c'est trop chaud. Désolée. Hein? Tu veux que c'est tout brûle mon corps? Désolée. Oudo, allez, approche. Approche. Mais pourquoi tu t'éloignes? Vas-y doucement, c'est trop chaud, c'est bon, non? Je sais. Aïe! Doucement. Oh, Chuma, s'il te plaît, non. C'est trop chaud. Arrête! Oh. Ah, Maka, laisse-moi faire, c'est comme ça que tu vas te rétablir. Allez, arrête. Oh. Arrête ça, c'est mieux que tu partes. C'est toi, est trop chaude. Désolée. Laisse-moi. Désolée. Laisse-moi voir, hein, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça, non. Hey. Désolée. Elle dormait et elle est tombée. Juste comme ça. C'est comme ça qu'elle s'est fait tous ces bleus. Ah. Amaka, non. Je n'accepterai pas cette salade. Ces mensonges, je ne l'accepterai pas. Il doit sûrement y avoir quelque chose. Amaka,
Tu ne réussiras pas à me tromper. Non. Est-ce que tu apprends au marché ou quoi? Pour que tu puisses tomber de la sorte. Au visage, le corps, les jambes. Ah. Hein? Que ça ne soit pas ce à quoi je pense. Ça a intérêt. Hein? Que ça ne soit pas. Sinon. Ok. Ok. Sérieusement, sérieusement, il y a déjà 10 ans passés. S'il te plaît, pouvons-nous aller à la maison maintenant? Amaka, il y a quelque chose qui dérange ta tête. Comment oses-tu m'arrêter en cours de route et me demander d'aller à la maison avec toi? Tu me prends pour ton petit? Désolée, allons à la maison, s'il te plaît. Amaka, c'est comme tu es en train de me pousser, de te gifler. Arenze, qui est cette femme? S'il te plaît, mon amour, ne te fâche pas. Qui est-elle? Tu viens juste de m'appeler une femme? Qui est-il, tantine? Hein? Tu n'es pas une femme? Calme-toi, bébé, calme-toi. À ton âge, tu ne sais même pas que je suis supposée t'appeler ma tante? Regarde bien tes seins. C'est comme si tu étais ma maman. Oh. Regardez celle qui parle. Tu n'as même pas honte à ton âge. Là. Ça tu suffit. N'as pas calme-toi. Honte. Calme-toi, bébé. Comment déjà aller à la maison? Va à la maison. Amaka, comment déjà aller à la maison maintenant? Regarde là. Que le tonnerre s'abatte sur toi. Pourquoi tu me suis partout? Hein? Tu n'as pas autre chose à faire? Arrêtez. Va à la maison. Va à la maison. Tout ce dont tu as besoin, je viens te le donner maintenant. Vas-y. Arrêtez. Bébé, je suis désolé. Je n'apprécie pas ça. Je suis désolé. Je n'aime pas ça. Je suis désolé. Comment cette fille peut m'injurier pour dire regarde ma poitrine. Qu'est-ce qu'il y a avec ma poitrine? Bébé, elle est jalouse de toi. Ne me dis pas ça. Hein? Je n'ai pas aimé. Comment cette fille peut me dire regarde ta poitrine. Ça suffit. Regarde un peu ma poitrine. Oh, t'inquiète. Elle n'est pas bonne. Bon. Elle n'est pas bonne ma poitrine ici. Tu ne vois qu'elle n'est pas bonne. Hein? C'est arrête bien. Ça. J'aime cette grandeur. Hein? Pardon. Elle ne peut pas me parler de la sorte. Calme-toi. Elle est non, plus non, belle non. que moi. Elle est vraiment jalouse de toi. Hein? Calme-toi, ok?
Chama! Abaka, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas fait un rêve. Non. Pourquoi? Il n'est pas revenu à la maison l'année dernière. Alors? Il peut être n'importe où. D'ailleurs, je l'avais vu hier avec Emeka. Je sais que celui-là aime bien se promener avec lui comme s'il lui appartenait et les villages aussi. C'est quoi maintenant le problème? Oh ma copine. Mon Dieu, Ami, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça, non? Hein? Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? C'est à cause de moi que tu pleures ou tu es juste émotionnée? Hein? Chioma, est-ce qu'Arise m'aime? Comment est-ce que je le saurais? Je suis supposée d'être un ange. Amaka, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Hier, tu dormais et tu es gonflée. Aujourd'hui, Arinze n'est pas revenue à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Amaka! Amaka! Titi, Titi, qu'est-ce que je peux te donner? Ta nourriture est vraiment délicieuse. Titi. Cette fille, hein, es-tu sorcière? Tu me suis partout où je pars, es-tu sorcière? Arinze, où est-ce que tu as eu cette nourriture? Quel genre de question comme ça, Amaka? Hein? Non, je l'ai volée. Donc je ne peux plus préparer. Pour toi, je ne peux pas préparer, c'est pourquoi tu me poses cette question. Arinze, moi et toi, nous savons très bien que tu ne peux rien faire. Toi qui n'arrives même pas à chauffer de l'eau toi-même. Et tu me dis que tu as préparé cette nourriture. Hein? Tu l'as préparée et tu l'as mis dans un bol. Bien. Pour ton information, c'est mon ami qui me l'a préparée. Cet ami a préféré me préparer cette nourriture délicieuse. Comme tu veux tout savoir. Amaka, c'est quoi ton problème? Où est le mal? Ami, c'est ami, garçon ou fille. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas ça ma question, Arinze. C'est une amie fille qui a fait ça pour toi, n'est-ce pas? Ok. Comme tu veux tout savoir, une connaisseuse, c'est ce que toi tu es. Ok, laisse-moi te dire. Oui, c'est une amie qui l'a préparée pour moi. Et comme tu ne me permets pas de manger cette nourriture... en paix. Je jure de la porter dans la maison et la finir. Arinze, je vais te parler. Me parler? Je vais finir à causer avec toi. Arinze. Ne m'approche pas. Arinze, je sois vais te loin parler, de moi. Non? Je dis loin de moi. Arinze, j'ai besoin de te parler. Thank you.
Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Arise, ne mange plus ma nourriture. Amaka, est-ce normal? L'autre jour, tu es venu en pleurant que tu es tombé et c'est pourquoi tu t'es blessé. Aujourd'hui, tu pleures parce que Arise refuse de manger ta nourriture. Attends un peu, Amaka! Donc tu pleures parce qu'un homme a refusé de manger ta nourriture? Hey, es-tu normal? Pourquoi tu peux dire une telle chose, non? Mon Dieu! C'est que j'aime beaucoup Arise. Je l'aime de tout mon cœur. Que veux-tu que je fasse? Si les larmes et les langages de l'amour, je suis sûre qu'en ces moments, Arise aussi pleure parce qu'il dit aussi qu'il t'aime, non? Mais, s'il ne pleure pas, ma copine, il te serait beaucoup mieux de changer d'idée et arrêter de pleurer parce que ces larmes ne vont pas t'aider. Tu es en train de dire que je dois les quitter? Bien sûr. Tu dois les laisser, surtout si tout ce qu'ils te donnent, ce n'est que de pleurs. Tout ce qu'ils te font, ce n'est que de pleurs. Il faut les laisser. Change de mec. Tu sais que ce n'est pas facile. Chouma, tu sais que ce n'est pas facile. Arise est tout ce que j'ai. Tu es devenu célibataire depuis que Nebo avait brisé ton cœur. Tu sais bien qu'il fait partie de ma vie. Si je l'ai quitté, où est-ce que je vais aller? Dans la maison de qui je vais courir pour aller? Amaka, ma copine, tu m'aimes moins. C'est tout ce qui compte. Écoute, je veux juste que tu arrêtes de pleurer. Pardon, s'il te plaît, arrête de pleurer, Amaka. S'il te plaît, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je vais aller à la maison maintenant. Non! Amaka, tu ne peux pas partir chez toi à la maison tout en étant comme ça. Écoute, je ne veux pas que tu rentres à la maison et commences à pleurer. S'il te plaît, reste ici jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Arrête-toi, ok? C'est fini, ne pleure plus. Arise. Amaka, c'est fini, s'il te plaît. S'il te plaît. Arise. Désolée. Achike? 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 Hein? Quand vas-tu arrêter de me déranger? Comment? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête, non? Écoute, j'aime cette fille. Hein? Et alors? Tu dois arrêter toutes ces choses que tu dis. Arrête un peu avec toutes ces bêtises. S'il te plaît, je veux qu'elle se sente à l'aise à côté de moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle soit mal à l'aise avec toi? Tu dois arrêter avec ces blagues. Je n'aime pas ça. Ok, cette fille, je l'aime et je vais la prendre sérieusement. Mais vas-y, fais-le, non? Je ne suis pas la personne qu'elle prend au sérieux. Donc, je suis libre de... Alors, tu es libre de ne pas dire n'importe quoi ou de te comporter n'importe comment lorsque tu es chez moi. Si tu veux dire quelque chose, dis ce qui est responsable. Ne dis rien lorsque tu es chez moi. Ne sais-tu pas que tu es une grande personne? Non. Et comporte-toi comme un grand. Tu sais ce qu'on appelle la liberté d'expression? Pas ici, chez moi. Ah, je te faisais d'ailleurs signe. Tu disais, achetez mon fils. Comme si je suis ton fils. Comment? Hein? Okay. Elle pensera que nous sommes des imbéciles. Et tu n'étais pas imbécile avant? Il n'y a pas de problème, je vais ici. Je ferai des problèmes. Achike, tu es mon ami. Alors comporte-toi comme mon ami et arrête-moi tout ça. Est-ce que cette fille sait que vraiment que tu es stupide? Tu es stupide. Qui t'a déjà mise au monde? Hein? Une erreur.
Allons-y. Attends. Pourquoi est-ce que tu criais sur lui comme ça? Je voulais juste lui faire savoir comment s'est comporté lorsqu'il te parlera prochainement. Écoute, ça ne me dérange pas. Ça m'importe peu, honnêtement. Ça m'importe. Et je veux que tu te sentes à l'aise à chaque fois que tu es à mes côtés. S'il te plaît. Allez, viens, allons-y. Hmm? C'est amusant, j'ai vraiment adoré. C'était amusant, ce n'est pas amusant. Achike pense qu'il est le plus grand comédien dans ce village. Et c'est comme ça qu'il aime toujours blaguer à tout moment. Je l'aime bien. Je l'aime aussi, je veux dire, il est mon meilleur ami. Mais je veux aller un peu plus profondément avec toi. Je veux te connaître plus. Et par moi-même, je ne veux pas qu'Achike se mette là et qu'il sorte toutes ces bêtises de sa bouche. Avez-vous toujours été ensemble? Bien sûr. Et tout le monde dans ces villas sait que nous sommes meilleurs amis. Nous sommes toujours ensemble. Comment est-ce que vos copines gèrent ça? Les femmes? Oui, Achike et toi. Est-ce que tu me demandes indirectement si j'ai une petite amie? Ok, je vous demande, comment est-ce que vos petites amies vivent? Comment vis-tu avec ton homme? Moi? Oui. Mon homme? Je n'ai pas de petite amie. Non, je ne l'ai pas. Tu vis seul? J'ai... C'est ce que tu essaies de dire? Pourquoi ne pas me poser cette question directement comme un vrai homme à la place de tourner autour du pot? Ok, je... j'aime... la manière dont tu parles, oui, j'aime la manière dont tu souris, j'aime aussi la manière dont tu ris. Mmh. Oui, c'est juste que j'aime ta manière de tout faire. Mmh. Oui. Alors tu veux dire que tu vis toute seule, tu n'as pas de petite amie? Je suis encore en train de chercher. Tu cherches? Mmh. Ok, maintenant si je veux que tu... D'où viens-tu? J'étais allée voir un ami. Quel ami? C'était un homme comme ça. Il a dit que je l'intéresse. Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Onyenye, cet ami en question dont tu parles, il n'est pas assez responsable pour venir jusqu'ici, te prendre pour sortir. Comme ça, je pourrais voir son visage et savoir qui il est. Non, ce n'est pas un bon ami. Oh. Oui, il n'est pas un bon ami pour ma fille. Je t'ai dit. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit d'être prudente, mais tu ne veux pas. Ne pars plus à sa rencontre, c'est ce que je t'ai dit. Hein? Regarde comment tu souris, tu trembles. Tu es en train de faire de fier ce matin. Depuis que tu étais avec lui le matin. Bientôt là, tu vas revenir à la maison. Avec une grossesse. Une grossesse non planifiée. Et cet homme que tu exaltes maintenant. Maman, il m'aime et je l'aime. Si seulement tu tombais enceinte, le pied là que tu te promènes avec pion, 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 il va te nier. Et il ne va même pas reconnaître ton nom. Nier de ne même pas t'avoir rencontré. Ça, c'est la vérité. Maman, il n'est pas comme ça. Il n'est pas ce genre de personne. Pas du tout. Sandra. Maman. Onyenye Chukwu. Maman. Ça, c'est ce que tu crois. Je ne veux plus que tu le revoies. Hein? Ne le vois plus. C'est ce que j'ai dit. On s'est entendu? Oh. Afouni Ozio. Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux pas que tu me fasses la honte. Je dis, ne me fais pas la honte. Tu ne vas plus le fréquenter. Allez, entre vite à la maison. Oh, fais maman, vite. Il n'est pas ce genre de personne. Il n'est pas comme ça. Hein? Je ne pense pas qu'il sera comme ça. Il va se comporter ainsi. Il est gentil. Sandra. Oh oui. Tu sais que je tombe amoureux de toi, n'est-ce pas? Oh. Ok. Oui, et je veux maintenant le ramener à un autre niveau. Tu sais, je ressens tout ceci au fond de moi depuis très longtemps. Et je crois que c'est maintenant le bon moment pour moi de le sortir. Ah,
Honnêtement parlant, je... J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Parlez-moi, je t'écoute. Ok? Je veux être ton petit ami. Je suis sérieux. Écoute, Sandra, je t'aime énormément, de tout mon cœur. Et je veux que nous soyons ensemble. S'il te plaît. Tu veux devenir mon petit ami? Oui. Et je veux que tu sois ma petite amie. Est-ce que je peux d'abord y penser? Bien sûr, tu peux. Alors? Je te verrai plus tard. Alors, mec, pourquoi est-ce que tu es en train de friser ton visage? Pourquoi est-ce que tu as cette tête? Cette fille ne t'apprécie pas, il faut comprendre ça. Elle ne t'apprécie pas. Pourquoi diras-tu une chose pareille, hein? N'es-tu pas mon ami? Au lieu de me donner d'espoir, tu me dis que cette fille ne m'aime pas. Je ne peux pas te demander de te faire la peine. Je ne veux pas de ton malheur. Hein? Et pourquoi est-ce qu'elle va te dire, ne t'en fais pas, je vais te parler demain? Hein? Et je te parlerai du vrai problème demain. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas dit maintenant même? Attends. Non, mais qu'elle le dise maintenant. Est-ce que tu es la fille? Hein? Elle a dit demain. Je vais attendre. Et même si elle disait, après une année, après 5 ans, 7 ans, je vais toujours attendre. Je l'aime. Oui, non? De toutes les façons, je pense que ça va très bien se passer. Maintenant, tu parles. Bon, d'accord. Je sais comment est-ce que la femme se comporte. Elle peut directement m'accepter, mais elle aimerait que je lui accorde un peu de temps pour que... Tu vois, non? Tu sais comment est-ce que ces relations marchent. Tu connais toutes ces choses. Oui, non? Alors, elle va juste... Ton oreille est très rose, c'est très doux. Mais c'est vraiment doux. C'est ce que tu penses, hein? Je n'entends rien, ses oreilles. Seulement d'où vient l'argent, ça n'entend que l'argent. Regarde ton oreille, c'est très mignon. Qu'est-ce que c'est de tes propres oreilles, hein? Toujours en train de fouiner dans mes problèmes. Voleur. On va couper ça en deux. Je refuse. Je réfléchis à propos de ta requête. Ok. Essaie juste de dire quelque chose. J'accepte. Hey! Tu as accepté? attends devant un petit peu. Attends. Es-tu sérieuse? Oui. Tu as accepté? Oui. Écoute, tu as façonné mon jour. Ces matins, je suis l'homme le plus heureux. Wow. Je t'aime. Merci. Allez, viens là. Alors attends que je t'amène quelque part, afin que nous essayions de discuter un peu plus. Et ça serait mieux. Arrête de me traîner, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, mec, arrête de me traîner comme ça, je suis pas un petit quand même. C'est quoi ton problème, Achiki? Il n'y a aucun problème. Dois-tu seulement parler? Hein? Ne peux-tu pas deux fois essayer de garder silence au lieu d'ouvrir ta bouche et essayer de dire n'importe quoi? Je vois pas pourquoi est-ce que ça te dérange, dis-moi pourquoi est-ce que tu t'en fais? Pourquoi parles-tu de mes plans à ma copine? Hein? Pourquoi lui parles-tu de ça avant que moi-même je ne le dise? Ou que tu le dises, ou que moi je le fasse à ta place, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, elle est ma copine. Essaie-moi de garder silence pour une seule fois. Ne peux-tu pas fermer ta bouche? Ok, laisse-moi te poser une question. Est-ce un péché de partager ton rêve avec la femme que tu aimes? Dis-moi un peu. Est-ce que ça te concerne? Hein? Est-ce que ça te concerne? Elle est la femme que j'aime, ok? Occupe-toi de la femme que tu aimes et laisse-moi aussi m'occuper de la femme que j'aime. Ne dis absolument rien. Dois-tu seulement parler? À tout moment, achiké, bavard. Tu te mets juste là à lui dire, mes plans, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Regarde, je sais très bien que tes plans ou tes rêves ne sont pas seulement la photographie. Oui, la photographie n'est rien d'autre que ton hobby. Ce n'est pas ton rêve. Ferme-la. Ok, laisse-moi te demander, pourquoi est-ce que tu m'as amené à cet endroit? N'est-ce pas à cause d'elle? Hein? Non, mais c'est pour que tu fermes ta bouche pour des bons. Pourquoi? C'est à cause d'elle que tu m'as amené à cet endroit. Et pourquoi devrais-je rester en dehors de ceci?
ne dis absolument rien, ok? Peu importe, elle est ma copine. Je veux que tu ne dises rien. C'est ce que je veux. Je veux que tu ne dises rien. Tu ne comprends pas. Ce que j'essaie de dire est ceci. Je connais ton rêve. Uh-huh. Tes rêves ne sont pas la photographie. La photographie n'est rien d'autre que ton passe-temps. Mais ferme-la, ferme-la. Tu continues à parler. Ah ah, perroquet, ferme-la. Et c'est ton avis. Écoute, je rentre là-bas. Okay. Ne dis absolument rien, ok? Ne dis absolument quoi? Rien. C'est d'accord, mais c'est juste que c'est juste ton hobby. Et toi et moi, les savons. Reste ici. Tu n'es qu'un bavard. Tout ce que je sais, c'est que ton hobby, c'est la photographie. Je vais casser ta tête. Je vais casser ta tête maintenant. Je vais casser ta tête maintenant. Tu n'es qu'un clone. Tu es un fou. Espèce de bavard. N'ose pas cette bêtise avec moi. Arrête-toi là. Quel fou de s'abattre sur toi. Je te refoule au nom de Jésus. J'aimerais te poser une question. Mm-hmm. Pourquoi essaies-tu toujours d'éviter à checker à chaque fois que nous sommes ensemble? Ne veux-tu pas que je te connaisse davantage? Tu es mon amour et tu me connais déjà. À checker ne peut rien te dire à mon sujet. Mais rien. Bébé, écoute, tu me connais et avec le temps, tu connaîtras certainement tout ce qui me concerne. Mais une chose dont tu dois certainement savoir, c'est que je ne suis pas aussi intéressé que tu l'es à des bêtises. Non, je ne le pense pas. D'ailleurs, c'est toi qui fais toujours des blagues à chaque fois que nous sommes ensemble. Ne le vois pas comme ça. Oh. Je ne suis pas un comédien. Mais si tu en recherches, Achike est la meilleure personne. Ce mec est un clone. Et pas seulement un clone, il est un comédien. T'es pas sérieux. Sérieux, Achike. Oh. Il parle n'importe comment. Ma chérie, le soleil est accablant. Oh oui, ok, je ne veux pas que ça t'atteigne. Seigneur, s'il te plaît, guide ma princesse. Mm. Très bonne. Oh. La nourriture était très bonne, oh. Je te jure. Hey, Sandra, la meilleure cuistot. Non, mais je te jure, mec. Elle peut préparer pour l'Afrique. C'est vraiment ce que j'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu une poste qui disait il y a une compétition de photographes. Mm-hmm. Le premier prix, 500 000 naira. Le deuxième prix, 300 000 naira. Le troisième prix, 150 000 naira. Mmh. Je l'ai vu quand je venais. Mmh. Mmh. Est-ce que tu es passé au bar avant de venir ici? Qu'est-ce que tu insinues? Que j'étais ivre quand j'ai vu ça? Ça, c'est clair. Parce que tu n'as jamais dit de positif de toute ta vie. Que du négatif, des choses qui ne valent pas, des choses qui ne sont pas vraies. Et comment peux-tu juste dire 500 000 pour la compétition de la photographie? C'est ce que 1 j'ai million vu, c'est ce que dans ces villages. Mmh. Mon cher, hein, tu n'es qu'un comédien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment coué. Et ta photosynthèse a pris fin. Tu vois maintenant? Tu es devenu fou. Il te faut des légumes. Tu ne sais absolument rien. Tout ce que tu sais faire, c'est manger de la nourriture. Manger de la nourriture. Venir chez moi mec, et puis manger. Mec, tu as vraiment besoin des légumes. Tu parles d'une compétition de photos. Regarde-toi. Il te faut des légumes. Tu viens de manger. Et tu commences à dire n'importe quoi. La photographie 1 500 000 dans ces villages. Mec. Dans ces villages. Mon cher, tu peux t'en aller où? Il te faut du repos. J'étais en train de réfléchir et je suis venu à la conclusion que je vais rejoindre cette compétition de photographes dont tu m'avais parlé. C'est vrai, tu dois faire je ça. Je pense que c'est mieux. Tu dois vraiment faire ça. Oui, oui. Et c'est que tu vas être à la troisième position. Ouais. Tu dis quoi? Position sur la liste. Non, non. Premier ou rien. La première place. Pourquoi vais-je finir troisième? Parce que je connais très bien la trempe des gens qui seront là. Tu vois, toi, tu n'as pas de caméra avec laquelle tu t'entraînes. Donc, la troisième position ne serait pas mal. Non, la première.
peu importe la qualité de toutes les personnes qui viendront, je vais gagner. Je sais que tu es déjà en train de gagner. Je peux gagner à la deuxième position, mais la troisième position ne serait pas non plus mal. La première place, c'est la première, numéro 1. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Je suis le premier, alors je finirai premier. Tu vas gagner. Le seul problème ici, c'est la caméra que je n'ai pas encore eue. Et c'est ce qui m'inquiète. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Checké. Regarde un peu ces gars. Hein? Tous ces mecs ne sont qu'une bande de paresseux. Vois-tu ce que je vois? Non mais grand toi, ils sont paresseux. Mes amis, levez-vous et travaillez. Regarde, celui-là n'arrive même pas à tenir la houe. Regarde. Les gens de ces enfants me rendent fou. Ils n'arrivent à rien faire, même pas à labourer. Tu sais mec, quand j'étais encore plus jeune, hein, et juste à me voir tenir une houe ou une machette. Oh mon Dieu, tu seras tombé amoureux de travail dans un champ. Lorsque tu étais jeune. Oui. Maintenant tu as grandi. Mais très vieux mec. Très vieux. Un vieil homme, sans femme, sans enfant. La pauvreté a enveloppé ton visage. Tu n'as rien à montrer. Et tu es content que tu es vieux. N'as-tu pas honte de toi-même? Hein? Un noir qui traite une autre personne de noir. Mon frère. Quel âge as-tu? Hein? Non mais dis-moi quel âge as-tu? Pas de problème, on le saura lorsque ça sera important. Tu penses que c'est à cause de beaucoup de cheveux que lorsque le moment sera venu, nous allons savoir qui est le plus vieux. Tu es un vieil homme. Ok? Ne t'inquiète pas, je sais pourquoi tu parles comme ça. Ami. Je sais pourquoi tu parles comme ça, parce que tu parles de ces problèmes en essayant de te référer de l'argent. Pas de problème. Continue à travailler, non? Nous travaillons, messieurs. Nous travaillons. Two best friends, Ichike and Chidi, they work together. Prends. And do everything together. Ichike is a drunkard, Chidi is a lover. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Ta part c'est 2000 et pourquoi est-ce que moi c'est moi? Hein? Tu devrais me donner 2000 naira, non? Pourquoi? Hein? Qui supervisait ces garçons? Hein? Qui s'est rendu où ils étaient en train de travailler? J'ai tout acheté, ces outils qu'ils ont utilisés. J'ai apporté de l'eau. Tout là-bas, j'ai payé pour ça. Alors qu'est-ce que tu Donc, dis? Donc tout ce que tu as mentionné maintenant, à combien ça revient? J'ai dépensé presque 1,5 pour tous ces et travaux. Et alors? Et quoi? Hein? Tu as pris 500 naira chez moi. Tu as emprunté 500 naira chez moi. Oui, je me rappelle maintenant. Tu as emprunté 500 naira chez moi. Alors, a emprunté 500 naira chez toi. Bien sûr, non. Mais quand? Les premiers jours où nous étions allés là-bas au champ, tu as emprunté cet argent. Tu avais dit que tu voulais acheter le boisson et tout ça. Attends. Alors tu me dois. Attends. En tout cas, je n'aime pas ce que je hais. Honnêtement, j'ai déjà élaboré des projets sur cet argent. Mais là, c'est ton affaire. Donc, je ne vais pas compléter cet argent maintenant. Achike, tu me dois 500 naira. Tu me dois 500 naira, alors paye-moi plus tard. Je vais à l'intérieur. Tu peux t'en aller, tu n'as rien à dire. Tu veux vraiment la bagarre? Okuema, et complète cet argent. Complète-les rapidement. Attends, complète-moi Achike? Cet argent avant que je ne te traite de bâtard. Achike? C'est qui est bâtard? Je ne connais pas ton nom. Achike, c'est je qui est bâtard? Attends, c'est qui? Tu vois, il y a quelque chose que je voulais te dire. Qu'est-ce que c'est? Ok, laisse-moi te dire. Ok, ne t'inquiète pas, ok? Je te verrai demain et lorsqu'on va se voir, je vais discuter avec toi ce sujet. Non, dis-le-moi maintenant, Tu vois, je... Chede, Chiboy. Bébé, s'il te plaît, puis-je te rappeler? Oh non, ne raccroche pas. Chidi, dis-moi, tu es avec qui? Non, ce n'est rien, bébé. C'est juste que je veux voir la personne qui est en train de toquer à la porte. Je vais rester en ligne. Nous allons vérifier ensemble. Vraiment? Est-ce le genre de femme que je vais épouser? Femme? Chiboy, Chidi.
Bébé, permets-moi juste d'aller vérifier celle qui frappe à la porte, ok? Ok, on se parle plus tard dans ce cas. Oh non, reste avec moi. Attends que je vérifie. Chidi? Oh, mon cher. Chidi, je me suis mis à frapper pendant le temps que tu ne répondais pas. Je ne savais même plus que tu étais là à l'intérieur, non? Tu es toujours en colère contre moi pour ce que je t'avais dit. D'accord, je suis désolé, mec. Oh, je ne veux plus le répéter, Chidi. Je suis vraiment désolé. Bébé, il y a quelque chose que je voulais qu'on discute ensemble. Oui, tu vois, quelqu'un de si particulier pour moi, quelqu'un que je considère comme un frère, il m'avait parlé d'une compétition de photographie et je pensais à participer. Oh waouh, c'est bien, je veux dire, c'est vraiment génial chérie. Maintenant les gens pourront enfin voir ton talent en dehors d'être gentil. Waouh, je veux dire que ceci vient de toi signifie énormément pour moi. Merci. Tu es déjà un vainqueur. Hein. Merci énormément. Merci. Tu m'as dit que quelqu'un t'en avait parlé. Qui est cette personne? C'est ton frère? Achike. Est-ce que je peux te rappeler maintenant? Ok. Ok, c'est bon, j'attendrai ton appel. D'accord. Chidosuke, mec, Chidi, je suis vraiment désolé, ok? Je ne savais pas que ça allait t'énerver jusqu'à ce point. C'est bon, j'étais déjà pardonné. Ok. C'est dans le passé maintenant. D'accord. Ok. C'était vraiment une erreur pour moi de sortir ça. Même si je sais très bien que ta mère n'a jamais connu ton père, je ne peux pas t'appeler Bab. Mais... Achike, qu'est-ce que t'as dit? C'est bon, je suis désolé. Hein? Je suis juste en train d'essayer de dire que je suis désolé. N'essaye plus jamais de m'appeler par ces noms. Ok? C'est d'accord. Comment puis-je te traiter de la sorte? Achike, écoute. Tout alphabet qui commence par B, évite-le aujourd'hui. Oh, évite-le! Oui, ne dis absolument rien qui inclut B. En fait, tu n'as aucun lien entre ton nom B et bâtard. Tu sais, parfois, je sors des mots sans que je ne m'en rende compte. C'est la dernière fois que je t'avertis. Je te comprends très bien. C'est alors, bon. Alors. Allons dans la maison. Tu dis, Maloua. Et pourquoi peux-tu être un bâtard comme ça? Achike, je vais te frapper. Je vais te donner le coup de tête. Je te donne le coup de tête. S'il te plaît. Regarde ce coup de poing. Ce coup de poing, vraiment. Rien qu'un bâtard peut l'utiliser. Sandra, il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. T'inquiète pas, bébé, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour toi. Oui, bien sûr que c'est à ton pouvoir, mon amour, ma très précieuse, ma reine. C'est à ton pouvoir. Tu m'appelles ta reine? Bien sûr que t'es ma reine. La forme la plus spéciale? Mon amour. Et même ton amour. Oui. Ok. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ok. Je veux que tu sois mon modèle dans cette compétition que j'ai participe. Non. Je ne peux pas. Tu veux que je sois ton modèle? Oui. Moi, ton mannequin? Oh, non, c'est impossible. C'est pas mon truc, désolé. Je ne le ferai pas, moi, ton modèle. Non, désolé, écoute, oublie ça. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute, ok, ce n'est pas comme si il y avait quelque chose de mal en ça. Non, je veux dire, pourquoi es-tu effrayé de faire ça?
Je pensais d'ailleurs que tu allais être heureuse de faire ça avec moi. Tu veux que d'autres personnes m'y voient? Les gens vont voir ça. Je veux dire, tu es très belle, les gens vont voir ta beauté et tu vas l'aimer. Les jurés vont le voir, tout le monde va le voir. Alors dis-moi, de quoi as-tu peur? De se faire critiquer, oui. Critiquer à propos de quoi? Écoute-moi. C'est vraiment pas mon truc et je ne puis pas. Écoute, bébé, écoute-moi Sandra. Tu vois ce que tu es en train de rejeter. C'est une opportunité que nombreuses de filles dans ce village aimeraient prendre. Pour briller. Je ne suis pas comme toutes les filles dans ce village, je ne les suis pas. Et c'est même d'ailleurs ce qui me rend tellement fou. Tu es juste tellement différente. Et c'est pourquoi je t'aime beaucoup. C'est ce qui fait que je ne peux pas rester un jour sans penser à toi. Tu es totalement différente de toutes les femmes de ce village. Mais je suis juste chanceux de t'avoir. Je suis chanceux. En fait, je suis l'homme le plus chanceux de la terre. Je veux que tout le monde voie ta beauté, la beauté que tu possèdes. Tu es mon amour. Tu es ma reine. Pourquoi fais-tu ça, bébé? Je veux que tu acceptes ceci. D'accord? C'est pour nous. Je veux que la face du monde te voie. Je veux que les gens t'apprécient. Tu es juste comme un cœur que Dieu a créé avec le soleil du matin. Alors, comment peux-tu avoir toute cette beauté et le cacher de gens? Accepte ça. Je me vois déjà en train de te prendre des très très belles photos sous l'arbre, à côté de l'arbre. Bébé, c'est une opportunité très très puissante. S'il te plaît, sois mon modèle. S'il te plaît. Sandra bébé, ma reine, pense à ça, d'accord? Je veux que tu sois mon modèle. C'est une opportunité que toute autre fille dans ces villages aimerait prendre pour briller. Je veux que tu acceptes ceci. D'accord? C'est pour nous. Je veux que la face du monde te voie. Je veux que les gens t'apprécient. Ok, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que tu as à propos des top modèles, des mannequins, je veux dire, des photoshooting? Un concours de top modèles. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Un ami veut participer à une compétition de photographes. Oui, et alors? Il veut que je sois son mannequin. C'est vrai? Tu veux dire? Tu dis qu'il veut te prendre en photo, qu'il va utiliser pour faire des trucs et que toi, tu deviendras une star? Oui. Quelque chose de la sorte. Ça me plaît. Oui, j'aime. J'adore ça. Oui, parce que si lui devenait une star, cela voudrait dire que tu deviendras aussi star. Maman. Et j'ai entendu que cette compétition va se passer dans une ville plus grande. Ce n'est pas un petit village comme le nôtre. Oui, oui. Maman, j'ai entendu que le prix à gagner est vraiment beaucoup. Tu y as vu? J'ai une connaissance à ce sujet. Et je sais que ma fille est destinée à faire des choses très spéciales. Voilà pourquoi je te glorifie à chaque fois.
Maman, essaies-tu de dire que je dois le faire? Exactement. Vas-y, fais-le. J'ai pas envie de me faire dénigrer. Dénigrer qui? Tu te regardais? Cette jolie forme, les rondeurs que tu y as, tu l'as hérité de moi. As-tu regardé ton visage et ta poitrine, comment elle est assez bombée? Et ta taille, le joli bassin que tu y as, bien calibré. Le tout, tu l'as hérité de moi. Ton visage, prends un miroir et regarde-toi. Combien tu as de beaux lèvres. Hein? Tu l'as hérité de moi et tout est en position. Et une très bonne alors. Tu l'as hérité de moi, je te l'ai donné. Je me souviens de ma jeunesse quand j'étais encore comme toi. J'étais parmi ceux qui avaient le visage rayonnant. Bel visage de ma communauté, hein? Même de voisins. Waouh! Maman, en tout cas, ça me met vraiment un sourire au visage. Je pense que je suis plus belle que toi. Donc, toi, tu veux blaguer avec moi? Onyechi, je te pardonne. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai donné ma beauté. Ce que moi, je n'ai pas pu faire, toi, tu vas le faire. Alors, viens. Viens, on va en parler à long et à large. Maman, si je viens, tu vas m'attraper. Je veux pas te toucher. Hey, il faut que ton corps soit vraiment joli. Sur ce, rien ne doit arriver. Ok. Et je suis sûre que les jours de cette capture, tu seras toujours naturelle. Tu ne vas pas les colérer avec plusieurs choses. Alors, parle-moi un peu plus sur ça. Comment cela va se passer? Chidi? Chidi? Toc, toc! Ah! Mon amour, tu es là? Oui. Je ne m'attendais pas à te voir. Oui, j'aimerais te dire un truc. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Oh. Hmm? Oh. Je le ferai. Vraiment? Es-tu sérieuse? Tu vas les faire? Tu seras mon modèle? Wow! Oui, je le savais! Je le savais! Mon amour, merci de ne pas m'avoir déçu. Je sais que ça a été difficile pour toi de l'accepter, mais je savais que tu allais finalement l'accepter. Merci énormément. Tu sais, je te crois énormément. Ok? Tu es très très belle. Et tu es la femme la plus belle de tout ce monde. Hein? Et je vais te projeter. Je veux que le monde entier te voie à travers ces belles photos. Hein? Tu es très très belle. Et d'ailleurs, même sans maquillage, tu es toujours très très belle. Alors d'ailleurs, je ne peux même plus attendre ces beaux jours où je serai en train de te prendre ces belles photos. Ok, oui. Donc c'est toi qui prendras de photos? Bien sûr que je les ferai. C'est mon temps et ma saison. Oh. tu sais quoi? Ceci mérite une célébration. Ok. Allons dans la maison et chercher quoi faire. Allons dans la maison. Waouh. Achike, Achike, devine quoi, mon cher? Quoi donc? Elle s'est finalement mise d'accord de le faire. Faire quoi? Ah, ah. Rappelle-toi, je t'avais dit que j'avais besoin d'un modèle pour ma compétition de photographie. Et j'avais dit à Sandra, elle a accepté. Mais tu es saoul? Hein? Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit à Neka? Hein? Oui, pourquoi tu ne l'as pas demandé à Neka? Qui est-elle? Parce qu'elle a fait le modélisme quand elle était encore à l'école secondaire. C'est qui, c'est Neka? Cette fille-là? Ah, Chike, mais c'est quoi ton problème? Comment peux-tu comparer Neka à Sandra? Une très très belle déesse. Pitié pour toi, oh. Pitié. Neka est professionnelle. Que si tu veux faire des choses, il faut faire les choses avec des professionnels. Pour que tes choses puissent aller de l'avant. Hein? Pourquoi tu vas prendre ces motorum pas faux? Hein? Oh bon sang, ça n'a vraiment pas de sens. C'est comme ça, dans ce cas, on donne un novice. Oh, ça c'est grave. Achike, hein? C'est quoi ton problème? Tu viens de m'appeler un novice? Hein? Non. Qui appelles-tu novice? Et qui est-ce qui n'est pas novice ici?
Qui est-ce que tu appelles novice? Je suis un professionnel et toi novice. Je suis un grand garçon, je voyageais à travers le monde, je vis de choses. Et toi tu es là, tu es juste resté et tu m'appelles novice. Et tu es un grand garçon? N'essaye jamais de m'appeler novice de toute ta vie. N'essaye plus jamais de m'appeler comme ça. N'essaye plus jamais. J'ai de projets. Au moins j'ai de projets avec la photographie. Et une fois que je commence comme ça, je vais commencer à faire des choses. J'aurai beaucoup d'argent, je serai comme Tibello. Et je serai en train de voyager à travers le monde. Et toi tu vas rester ici. Et tu es là en train de m'appeler novice. N'essaye plus jamais, hein. Sinon tu auras une bonne raclée. N'importe quoi. À chaque fois que tu viens chez moi, tu ne dis que des choses qui dérangent. Tu ne dis jamais ce qui est intéressant. Et pourquoi me regardes-tu comme ça? Je me suis rappelé de quelque chose. Et je me suis rappelé que tu n'as même pas de caméra. Et ça, ça fait de toi un novice. Tu ne sais vraiment pas. Parce que vraiment, tu sais, si tu savais ce que tu faisais, tu aurais déjà eu une caméra maintenant. Oui. Hey yo, mec. Regarde ce mec, regarde son visage. Regarde-toi. Arrête avec ce visage, s'il te plaît. Fais pas cette tête. Mec, c'est comment? Mec, c'est quoi le problème, hein? Hein? Hey! C'est comment, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Excuse-moi. Yay! Qu'est-ce qu'il y a avec ce garçon? Tiède? Tiède? Moi, je m'en vais déjà. Tu n'as même pas l'humeur de me parler, d'accord? On se voit plus tard, mec. Il est clair que tu n'as pas l'humeur de me parler. Vas-tu, mon cœur? Hein? Ah, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh, peu importe, j'ai croisé Acheke en venant chez toi. Il m'a dit que ça fait des jours que tu ne lui parles pas. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Rien. Rien du tout? Ah, bébé, comment peux-tu me dire qu'il n'y a rien pendant que tu as cette humeur? Parlez-moi. C'est moi? Hein? Il n'y a rien qui me dérange, rien ne se passe. Il n'y a aucun problème. Parlez-moi. Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a rien pendant que tu es dans cet état. Sandra, je veux rester seule. Que veux-tu dire par tu veux rester seul? Et pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi aujourd'hui? Tu n'as pas mis ton chapeau. Qu'est-ce que c'est? Es-tu mon ami? Non, nous sommes amis. Fais-le-moi porter. Que je te le fasse porter. Fais-moi porter le chapeau. Es-tu ivre? De toi, tu ne peux pas aider quelqu'un. Et attends que je t'aide. Ah! Pourquoi est-ce qu'il pèse comme ça? Jésus-Christ! Hey! Qu'est-ce que je vois? Acheke? Une
une caméra? Oui, c'est une caméra, non. C'est comment l'as-tu trouvée? C'est pas une bombe, c'est pas une bombe. Comment as-tu trouvé cette caméra? Je l'ai achetée pour toi, c'est à toi. Hey! Es-tu sérieux? Oh, mais c'est pour moi? C'est vraiment ce que je suis en train de te dire. Ouais. Non, non, non. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter cette caméra? J'ai cassé ma caisse. As-tu que tu as acheté ceci pour moi? Tchaï! Parce que c'était ta passion, mec. C'était ta passion. Tchaï, tchaï, as-tu qui ne cesse de m'étonner? Oh. As-tu qui ne cesse de m'étonner? Utilise la mienne, hein? Regarde, très bien, très bien. As-tu qui? Hey! Regarde, regarde. Mon frère, merci énormément. Merci, tu sais, merci. Toi, tu n'es pas seulement un ami pour moi. Merci. Mec. Tu es plus qu'un frère. Tu es un frère, mec. Mon spécial. Mon très, très spécial. As-tu qui? Tu as dépensé tes économies. Toutes ces choses par rapport à ton rêve, c'est rien, mec. Juste à cause de moi. Bien sûr que oui. Mais je t'avais dit, non, la compétition n'est pas aussi importante. Elle n'est pas aussi importante pour moi. Pourquoi l'on t'est cassé juste pour moi? Tu es comme un frère comme moi. Je l'ai fait pour toi. Tu es comme un frère pour moi, mec. Chai, as-tu que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Hey. Tu es apprécié, hein? J'aime ça. J'aime ça. Ceci est mon rêve, ma passion. Alors, c'est rien, c'est merci rien, énormément. C'est rien, attends que je te prenne. Entrons, entrons, mec, entrons. Oui, mets-toi là. Hey, Achike. Achike. Attends que je te prenne une autre. Prends une autre, mec. Hein? Achike. Attends. Ok, attends la dernière. Hein? Achike, es-tu sûr que cette caméra est bonne? Et toi, idiot. Tu n'as même pas besoin d'acheter une caméra et on t'achète si tu fais des bêtises. Waouh, cette caméra est très très bonne. Hey, Achike. Achike, mon meilleur ami. Que je fasse d'abord comme ça, hein? Waouh. Chidi le grand photographe. Encore? Ah. C'est où les flashs? Je pensais que ça allait flasher, comme nous sommes la nuit. Et je crois que demain j'irai encore fouiller dans le menu. La toute dernière. Je vais prendre ma très très belle Sandra. Je lui parlerai des positions. Souris pour moi, bébé. Et moi, je mettrai comme ça. Et je la prendrai une très bonne pose. Comme ça, je dois arranger pour qu'elle paraisse très belle. C'est fini. Que je l'appelle. Demain est le jour J. Ah. Pourquoi? Réseau, ne commence pas ces bêtises avec moi. Ne me provoque pas. Mais qu'est-ce que c'est? Réseau, s'il te plaît, ne commence pas ces bêtises. Essaye de nous connecter. J'essaie encore. Thank you.
tu es là? Bienvenue. Je t'attendais. Je suis vraiment navrée. Ma mère était allée rendre visite à sa sœur. Donc, je devais l'accompagner à la rue de bus. C'est bon. Je suis content que tu sois là finalement. J'ai été chercher en tout cas partout. C'est juste que tu es venu un tout petit peu en retard. Donc c'est très tard et nous ne pouvons plus rien faire? Pas vraiment en retard. Nous pouvons quand même faire quelque chose. Oh, ok. Dans ce cas, on y va. Bébé? Oui? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu gagnes. Je veux que tu puisses envoyer des très belles photos. Bébé, traite ces photos et envoie seulement le meilleur, c'est tout. Oui.
qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il sera un tout petit peu difficile pour moi. Parce que ces photos que j'ai prises, elles sont toutes belles. Exactement. Et c'est comme ça que je n'ai... Je ne sais pas quoi choisir parce que je les aime toutes. Oui. Oh. Tu sais quoi, mon amour? Quoi? Je t'aime énormément. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime aussi. Pourquoi seulement au front? Pourquoi ne m'as-tu pas embrassé? Tu veux que je t'embrasse? D'accord. Je suis timide, j'ai honte. Viens là. Je me sens timide aussi, mais nous devons les faire. Parce que tu es mon bébé. Hein? Je t'aime. D'accord. D'accord. Ferme tes yeux. Ressens-les. L'émotion. Allô, bébé? Je vais bien. Oui, chérie. Je vais très bien. Je vais bien. C'est ça. T'es pas sérieux. Tu veux que je vienne cuisiner chez toi à la maison? Ça veut dire que tu n'as pas faim. Ne te fatigue pas. Continue d'attendre. Ma chérie. Oh, je te rappelle. À plus. Maman. Surveille bien la nourriture. Je me déplace un peu, j'arrive. D'accord, maman, je le ferai. Oui. La nourriture est brûlée. Tout est cramé. Hein? Oh, qu'est-ce que tu as fait, cet enfant? Quoi? Maman? Hey! Organisé! Maman. Oh mon Dieu! Hey. Mon Dieu! Hey! Mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? Maman! Je laissais cette nourriture pour que tu surveilles. Oui. Oui? Quand je quittais cette maison, tu parles au téléphone. Et maintenant, je reviens de la maison, tu es toujours là, en train de le manipuler. Onyechukwu, tu vas bien? Je suis désolée, maman. Désolée, pourquoi? Je suis navrée. Es-tu malade? Hey, mon Dieu, ça c'est quelle habitude ça? Je suis désolée. Pourquoi être désolée? Je suis très désolée. Sois désolée pour toi-même. Je vais crier comme ça, tout le monde va entendre. Mes voisins, venez, oh, venez voir.
Ma fille est toujours là en train de manipuler son téléphone. Elle ne s'est même pas préparée. Elle a brûlé ma nourriture. Qu'est-ce qui est bien? Tu es désolée. Je t'en prie, pardonne. Hein? C'était pas intentionné. Je l'ai pas fait exprès. Je sais. Ce n'était pas exprès. Parce que tu parles au téléphone. Ta pensée était là. Tout le temps au téléphone. Comme une folle. Tu sais quoi aujourd'hui? Tu vas manger cette nourriture brûlée. Tu vas en manger. Comme ton petit déjeuner. Ton déjeuner et ton dîner. Aujourd'hui, tu vas rien manger. Aie pitié. Hein? J'ai pitié de qui? Insensée. Folle. Prends ce téléphone-là et mange ça. Tu vas manger cette nourriture brûlée pour aujourd'hui et demain. On verra. Chidi, Chidi, as-tu vu ce que tu as causé? As-tu vu? Hein? Maman, je suis très désolée. Je suis enceinte. Hein? Ma chère. Tu es enceinte? Hey! Amaka, ça, c'est pas bien, oh. Hey, hey, hey. Ah, ça, c'est vraiment mal. Surtout si Arinze ne les reconnaît pas. Cela serait vraiment un grand problème pour toi. Hein? Dis-moi. Il a accepté ça. Je n'étais même pas au courant de ça, oh. J'ai vu aussi de les découvrir. Amaka. Ne dis pas ça, oh. Hein? C'est un problème. C'est vraiment un grand problème. Donc, tu n'as pas fermé tes jambes. Tu as permis à ceux qui les touchent. Tu ne pouvais pas t'abstenir du sexe. Ou bien utiliser... te protéger. Hé, hey, Amaka. Après avoir t'utilisé, il t'a abandonné et il est parti. Ça, c'est pas facile, oh. Tu as des problèmes. C'est vraiment un problème. Chouma. Ce n'est pas ma faute. Hein? Il m'a convaincue, il m'a dit que je devais le faire si vraiment je l'aimais. Mmh. Et voilà pourquoi. Mais ce n'est vraiment pas le problème maintenant. Oh. Le problème est qu'il m'a vu frapper. Il t'avait frappé? Oui. Amaka, Arezé, t'avais frappé? Oui. C'est très bien. Chioma, où est-ce que tu vas? Chuma, 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 où est-ce que tu vas, non? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Amaka, laisse-moi tranquille. Chuma, c'est quoi? S'il te plaît, Chuma, s'il te plaît, arrête. Pourquoi Amaka? Tu vas là-bas, non? Amaka, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Je pars lui rendre visite. Chuma, s'il te plaît, Chuma, non, Chuma, arrête. S'il te plaît, Chuma, arrête ça, non? Arrête, Chuma, arrête. Chuma, Chuma, arrête de faire ça, non? S'il te plaît, oh, laisse-moi tranquille! S'il te plaît, ne va pas là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, non? Oh, mais... Ma copine! Je veux bien, je veux juste là-bas. Non, Choma, laisse-moi tranquille. Laisse-moi! Choma, s'il te plaît, je t'en supplie, non? Choma, ne va pas là-bas. Tu vas aller faire quoi, Choma? Ne fais pas ça, hein? Ne fais pas, s'il te plaît. Choma, je t'en supplie. Choma, non. Choma, ne fais pas ça. Ne fais pas ce genre de choses, Choma. S'il te plaît, Choma. Arrête, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, Choma. Choma, écoute-moi, Choma. S'il te plaît, ne fais pas ça, non, Choma. Non, Choma, s'il te plaît, ne fais pas... Hey, Choma, s'il te plaît, non, ne fais pas ça, oh. Qu'est-ce que tu cherches? Hey, Choma, s'il te plaît, écoute-moi, non. Ne fais pas ça, Choma. Tu vas me créer des problèmes, Choma. S'il te plaît, écoute-moi, Choma. Hey, Choma, s'il te plaît, Choma, écoute-moi, Choma, ne fais pas ça. Hey, Choma, s'il te plaît, oh, Choma, s'il te plaît, Choma, oh. Choma, écoute-moi, Choma, écoute-moi, Choma. Choma, s'il te plaît, écoute-moi. Où es-tu? S'il te plaît, oh, Choma, s'il te plaît, Choma, s'il te plaît. Choma, arrête ça, Choma, arrête. Sors d'ici. Choma, où es-tu? Tu es où, toi? Choma, arrête.
Choma. Je ne veux pas m'arrêter. Choma, arrête avec toi. Tu vas tuer quelqu'un. Oh. Choma, tu vas tuer arrête, quelqu'un. Arrête, où es-tu? Choma, s'il te plaît. Choma, hey. Choma, tu vas tuer quelqu'un, non? Choma, s'il te plaît. Choma, s'il te plaît. Arrête, quelqu'un peut m'aider. Oh. Quelqu'un peut m'aider. Choma, s'il te plaît. Choma, écoute-moi. Choma. Hey. Choma, arrête. Choma, écoute-moi. Choma, s'il te plaît. Tu vas tuer quelqu'un. Arrête. Écoute-moi, non? Hey, Choma, s'il te plaît, écoute-moi, tu vas tuer quelqu'un. Hey. Arinze, où es-tu? Choma, Arinze, où es-tu? Arinze, sors d'ici, sors! Sors ici! Choma, où? Sors ici, c'est une femme qui te cherche! Sors ici, je vais te voir! Sors ici, toi fou! Arinze! Choma, tu vas tuer quelqu'un! Hey, Choma, écoute-moi! Écoute-moi, s'il te plaît, Choma, écoute-moi au moins! Choma, s'il te plaît. Arrête! Écoute-moi, non, Choma. Amaka, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, ne fais pas ça, Choma. Tu viendras me trouver dans cette maison. Hey. Choma, oh, Choma, s'il te plaît. Arrête! Arrête, tu te caches. Tu as peur de moi, Choma. Choma, une femme. Je vais te donner ce que tu cherches dans ce village. Arrête, dans ce village, je vais me charger de toi. Il y a quelqu'un qui a cherché ma folie, oh. On a cherché ma folie, oh. Ok. Peu importe où tu t'es caché. Moi, Choma, je vais te retrouver. Je vais le retrouver, oh. Dis-lui que Choma va le retrouver. C'est bon. S'il te plaît. Dis Arinze. De ne plus utiliser le même chemin que moi. C'est bon, non. C'est bon. Arinze. Hey, Choma, s'il te plaît. Il va me voir. Choma, s'il te plaît. Arinze. Arinze. Si tu voyais Arinze, hein, dis-lui de fuir. Moi aussi, je vais lui taper. Choma, s'il te plaît, Choma. Choma, tu vas tuer quelqu'un. Choma, écoute-moi. Choma, calme-toi. Calme-toi, ça suffit, Choma. Choma, s'il te plaît. Non, Odi, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'appelles comme ça, Choma? C'est quoi ça? Laisse-moi, je vais faire ce que je veux. Choma, calme-toi. Ça suffit. Calme-toi, Choma, s'il te plaît. Oh, calme-toi. Calme-toi, Choma, s'il te plaît. Calme-toi, Choma, calme-toi. Hein. Oh, Choma, calme-toi. Hey, mon pote. Non, je ne plaisante pas. S'il te plaît, arrête, Choma. Choma, il faut que tu m'écoutes, Choma, s'il te plaît. Mais mon cher, Choma, cette fille, ne réfléchis pas. Choma, écoute-moi. Choma, tu vas tuer quelqu'un. Choma, écoute-moi. Choma, s'il te plaît, ça suffit, Choma. Choma, s'il te plaît, Choma, arrête. Attends, donc tu es là, hein? Oh! Attends! Choma! Choma! Tu es malade! Tu es malade, je te pose la question! Tu te joues de ma copine, tu n'as même pas honte, tu la frappes et puis tu l'as rendue grosse! C'est ça, hein? Amaka n'ose même pas me toucher, tu vas m'énerver! Hein? C'est quoi ça? Oui, c'est bien fait pour lui! C'est bien fait! On ne peut pas se moquer de ma copine! C'est quoi ça? Hein? Toi, si tu en veux, viens, je vais te trouver ton ventre! Viens, tu verras! C'est bien fait pour toi. Comme ça, tu n'oseras plus la frapper. C'est quoi ça? Tu verras. Essaie un jour, tu verras. Je vais faire plus que ce que je viens de dire. Ça va t'écouter ce que tu as fait. S'il te plaît. Choma, qu'est-ce que tu as fait, Choma? Qu'est-ce que tu as fait, Choma? Tu voulais les tuer. Arrête-moi ça. Ça, c'est la vie. Je sais juste de t'aider. Mets ça dans ta petite tête, là. C'est quoi ça? Je ne veux pas être honnête. Maintenant, va-t'en. Maintenant. Va-t'en!
chose, Choma. Tu ne trouveras pas un homme si tu continues avec ce genre de comportement. Tu ne trouveras pas un homme si tu continues avec ce genre de comportement. Bonjour, ma sœur. Aïe, tu es fou? Hein? Tu es fou? Comment tu peux me toucher? Tu es stupide? C'est quoi ça? Tu es fou? Je voulais juste te dire. Ton nom était en train de se renverser. On t'a dit que je ne sais pas. C'est quoi ça? Pourquoi tu me touches? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est mauvais de dire à une personne que ce nom est en train d'être renversé? Tu n'es pas poli, ça se voit. Je suis désolée. Viens, viens. Viens. Viens m'aider à faire de son ça, ok? Je vais un peu me reposer. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, prends. Parce que j'ai une bonne humeur. Hein? Tu allais faire quoi? Hein? Hey, qui va alors m'aider? Aïe. Bien, qu'est-ce qui te fait rire? Viens. Comment tu vas? Je vais bien. Ah non, mets ça sur ta propre tête. Allons-y. Où est ce monsieur stupide là? Tu vois pas ce que ton ami a fait? A transporté les bidons. Elle s'est m'a parlé. N'importe quoi. Allons de l'autre côté à droite. Tu es tellement gentil. Imbécile! Que je te vois encore, tu verras ce que... Aïe, 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 mamie. Je vais te tuer. Tu verras ce que je vais te faire. Oui, avance seulement un peu, on est presque arrivé. Y a-t-il quelqu'un? J'arrive! Qui est là-haut? Qui est là? Je suis en train de faire entrer de l'eau. On y est? Bon après-midi. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je veux l'huile de palme. J'ai laissé un onction sur le fait, s'il te plaît. Oui, l'huile de palme. Je n'en ai pas, monsieur, tu peux partir. Ok, d'accord. Où est-ce que je peux trouver de l'huile de palme, s'il te plaît? Il y a... Ta tête ne fonctionne pas ou quoi? J'ai dit que je n'en ai pas, tu peux pas partir. Quand je veux parler, les gens vont dire Choma aime parler. Je n'ai pas envie de parler. Je suis désolée. Désolée toi-même. Regarde comment il est. N'importe quoi. Moi, je crie comme si c'était ma copine, c'est toi. Y a-t-il quelqu'un? Bon après-midi. S'il vous plaît, y a-t-il de l'huile? Oh, il n'y en a pas? Oh, d'accord alors.
Chido. Ah ah. Mon ami, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Où vas-tu? À la maison. Chez Aboubeka. Mais où peux-je trouver cela? Salut. Oui. Bon après-midi. Bon après-midi. S'il te plaît, j'ai appris que je pouvais trouver de l'huile de palme ici. Oh, oui. Mais je n'ai pas l'huile en ce moment. C'est très très clair. S'il te plaît, peux-tu me dire où est-ce que je peux trouver, ne serait-ce qu'un peu? Oui, je sais où tu peux en trouver. Ok. Même si c'est un lieu plus loin qu'ici, j'irai quand même m'en procurer. Pas trop loin, je vais moi-même t'accompagner. Ok, allons-y alors. Ah, non, tu dois attendre, j'ai quelque chose à arranger à la maison, il faut que tu m'attendes. D'accord, mais s'il te plaît, sois un peu rapide, je suis pressé. Tu as besoin d'huile ou pas? Désolé, d'accord. C'est ici. C'est donc ici. Va demander Maman Chiamaka, la femme qui vend de l'huile. Maman Chiamaka, merci énormément. C'est bon. Maman Chiamaka, c'est qui vend de l'huile, oh? C'est bon. Hey. Il faut maintenant que je me marie, hein? Et ma femme va commencer à préparer des merveilleux plats pour moi. En fait, je dois me marier. Je vais me marier. Et je veux épouser Sandra. Sandra, ma femme. Sandra, ma femme. Je ne peux pas attendre de t'épouser. Et je prouverai à Tchiké que je suis un grand garçon. Sandra, ma femme. Et à partir de là, je commencerai à manger des bons plats. La viande, des légumes, de bons plats. Et ces plats locaux que je mange. Hey, faudrait que j'ajoute un peu d'huile. Faudrait que je mette d'huile. Il y en a plus. Je dois rapidement finir cette nourriture avant que Achike ne vienne ici. Ce mec, il a toujours faim. Ah ah, mon amour, comment vas-tu? Je vais bien. Ah ah, tu es là, content de te voir. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à te voir. Je voulais t'appeler, mais je me suis dit non, laisse-moi lui faire une visite surprise. Oh, mon amour. Je t'ai apporté la nourriture. Tu as apporté la nourriture pour moi? Oui. Merci. Ah ah, tu as déjà mangé?
c'est Chike qui a laissé ça. Mon amour, c'est Chike qui a mangé ici. Oh. Je lui avais dit de mettre l'assiette dans la maison, mais il a laissé. Tu vois pourquoi je ne l'aime pas? Hein? Tu vois pourquoi? En fait, je ne lui donnerai plus à manger. Voilà maintenant. Je lui ai dit de mettre ça à la maison, mais il a laissé ça ici. Oh, mais ce mec, c'est mec qui continue toujours. Tu vois pourquoi je n'aime pas? C'est pas grave. J'ai cuisiné ceci uniquement pour toi. Ouais. Merci, mon amour. Oh. Hey, merci, mon amour. Tu vois pourquoi je t'aime? Merci beaucoup. Je ne veux même pas te demander ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais. Hey, bébé, pourquoi on ne t'aimait pas et on mange ensemble? Viens rentrer. Ok, d'accord, on y va. Désolé. Ok, c'est déjà suffisant. Je peux te les rassurer. C'est vraiment de la bonne huile. Merci, merci. Tu sais, j'aime énormément l'huile des palmes. J'aime les prendre avec les ignames cuites. Ah, merci. Merci de revenir. Ta présence ici m'aide beaucoup. Merci, merci. Tu sais, j'avais vraiment besoin de cette huile des palmes de manière urgente. J'étais d'ailleurs rentré où tu m'avais montré hier. Ok. Alors, elle n'avait pas d'huile des palmes. Il fallait que je revienne pour tenter ma chance. Oh, je suis vraiment désolée. Oui. Tu sais, quand tu viens et tu ne trouves pas d'huile, ça me fait très mal. Alors, je dois aller au marché chercher d'huile pour que ça ne se répète plus jamais. Oh, vraiment? Oui, oui. Tu es vraiment une jeune dame qui travaille énormément. Et je sais que tous tes clients, ils doivent être fiers de toi. Merci, ils le sont. Mais tu sais, c'est pas facile. Mais je fais tous les efforts possibles pour le plaire. Et ce n'est toujours pas facile de retrouver un client qui peut revenir. Mmh, ça, ça, si tu as juste besoin de quelque chose, fais-moi savoir. Je te le ferai savoir. Alors je dois maintenant partir. Ah, ok, tu vas encore revenir. Chidi! Non, ce n'est pas elle. Chidi! Sandra! Hey. Sandra, j'étais juste venu prendre... Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je t'ai vu en train de la regarder. Moi, en train de la regarder? Non, non, je n'étais pas en train de la regarder. Chidi, arrête, ça ne m'appelle pas menteuse. Je vous ai vu tous les deux en train de vous regarder les yeux dans les yeux. Chidi. Non, non, je ne la regardais pas, c'est elle qui m'a regardé. Hein? Oui, parce que j'étais venu acheter de l'huile de palme. C'est elle qui te regardait? Oui. Tu étais venu acheter de l'huile de palme. Regarde, c'est non, ça. Non, c'est pas un problème. Chidi, rentre vers elle et continue à acheter de l'huile de palme. J'ai fini. Chidi, continue à acheter de l'huile de j'ai palme. J'ai fini. Insensé. Sandra. Sandra. S'il te plaît, écoute, je suis sérieux. Sandra. Sandra. Chidi, arrête de me suivre. Lâche-moi. Je ne faisais qu'acheter de l'huile de palme. Ne me suis pas, je t'ai dit. Thank you.
qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui t'a montré ma maison? J'ai demandé les voisins. Tu as demandé? Alors s'il te plaît, Choma, sors de ma parcelle. Chidi. Sors de chez moi, maintenant même. Je ne veux pas te voir. Ok, c'est bien. Je suis ici juste pour m'excuser. T'excuser à propos de quoi? Hein? Je flirtais un peu avec toi. Et c'est ce qu'elle a vu. Je suis ici pour te dire que je suis vraiment désolée. Ok, c'est bien. Je t'ai entendu. Peux-tu maintenant sortir de chez moi? S'il te plaît. Chidi. Je dis sors! Sors de chez moi! Je dis que je suis désolée. Je veux que tu comprennes ça. Je suis désolée. Je dis... Écoute, je ne veux pas monter de temps sur toi. Est-ce que tu peux tout bonnement sortir de chez moi avant que je ne change d'humeur? Va-t'en! Va-t'en! J'en ai vraiment marre. Hein? J'en ai vraiment marre. Comment peux-tu te comporter de cette façon quand il s'agit d'une femme? Comme si c'était la seule femme dans cette communauté. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Achike, tu ne vas pas comprendre. Comment? Sandra n'est pas comme toute autre femme. Et alors? Elle est très spéciale pour moi. J'aime énormément cette femme. Et je la veux. Hein? Tu ne vas pas comprendre. Je me fous de tous les discours que j'ai tenté de raconter à ces lieux, d'accord? Parle-lui, laisse-la décider. C'est maintenant difficile. Très, très difficile. Tu es mon ami. Je veux que tu m'aides à résoudre ce problème. Parle-lui, s'il te plaît. Je dois t'aider à lui parler. S'il te plaît. Quelqu'un qui a refusé de te voir, qui a refusé de te parler il y a un moment, qu'est-ce qui te laisse croire qu'elle va m'écouter? Essaye d'abord. Hein? Faudrait d'abord que tu essayes. Hein? Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Hein? Et suis-moi, on va aller boire un verre. Tu dois aller prendre quelque chose avec moi. Oui, et comme ça ta mémoire, tes sens vont revenir sur place. Tu vas reprendre ta mémoire. Ok, tu es un homme. Ah. Tu n'es pas une femme. Tu dois changer cette façon de voir les choses. Oui. Mais alors, elle t'a vu avec une autre femme. Et alors? Hein? Pourquoi est-ce que ça devient une affaire personnelle? Ah. Tu dois vraiment changer, oh. Tu dois vraiment changer. Tu veux dire que si je bois, je vais tout oublier? Si tu bois un verre avec moi présentement, tu vas oublier toutes tes peines. Mais tu sais que je ne prends pas d'alcool, moi. Tu vas prendre ça présentement. Hein? Comme ça, tu vas très bien réfléchir. Oui. Ok, attends alors que j'aille changer d'avis. Oui, vas-y, apprête-toi parce que tu as perdu ta photosynthèse. C'est vrai? Ton système devient déjà vide. L'amour est méchant. Ton cerveau est en train de se détruire. Hein? Attends-moi, j'arrive. Tu veux dire que si je bois, je vais tout oublier? Non, si tu pleures, tu vas tout oublier. C'est du n'importe quoi ça. Fais vite, on doit partir. Ah. Prends que route.
gauche, droite, le centre. Gauche, droite, le milieu. Gauche, droite, qu'est-ce que je dis? Gauche, droite, ou bien gauche, 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 je sais plus. Alors, gauche, droite, le centre, ou bien gauche, gauche, droite, le centre. Quel bon jour férié pour un homme bon. Je crois qu'il me le faut encore, boire encore. Je dois boire encore. Gauche, droite, le centre. Gauche, gauche. Achiké, Achiké, vois quoi est-ce que tu m'as fourré. Gauche, gauche. Mais qu'est-ce que c'est? Eh mon Dieu. Achiké, il n'y aura jamais rien de bon avec toi. Achiké, je me chargerai de toi. Je dois me charger de toi. Tu m'as fourré dans gauche, droite, gauche. Mauvais garçon, tu es un mauvais garçon, tu es un mauvais garçon, tu vois, mauvais garçon. Mais comment est-ce que je n'arrive? D'accord alors, ok mes jambes. Je dois quand même. Quelle très bonne. C'est. Oh, quel lit. Que je me repose maintenant. Après une longue et dure journée. Une longue dure journée. Une très longue dure journée. Je m'arrête ici. Lève-toi. Oh.
Chidi. Chidi, permets-moi de te raccompagner chez toi à la maison. Oui, laisse-moi t'aider. Lève-toi, non. Ok, Achike. S'il te plaît, laisse-moi dormir ici. Oh non, ne te dérange pas. Gauche, ou droite, ou le centre. De ces côtés. Droite. Gauche. Non, le centre. Droite. Ok. Ok. La droite. Attends, je vais te porter. Et donc la meilleure. Tu as besoin d'un peu d'alcool. Allez, monte. L'alcool est bon. Monte. Tu peux me transporter. L'alcool est bon. L'alcool est très bon. L'alcool est très bon. L'alcool est très très bon. Hey. L'alcool est très très bon pour moi. L'alcool est très très bon pour moi. L'alcool est très bon pour moi. L'alcool. La droite est la meilleure. Oh! Je crois que c'est ça la meilleure. Oui. On essaye, oh! Je suis fatigué. Il me faut encore un peu d'alcool. Ta maison est juste. Oh! Chiqué! On y va! Fais un fort compas. Ici. Là-bas, oui. Hey! Tu n'es pas dedans, je t'en prie. Je ne vois pas mes jambes. Désolé. Hey! Mais pour un peu plus d'alcool. Désolé. L'alcool. L'alcool. Encore. L'alcool. Hey! L'alcool. Chidi, s'il te plaît. Alors, aïe. L'alcool. Chidi, oh. Oh, tu vas me faire tomber. L'alcool. Bye. Encore un peu, efforce-toi. Ma maison est par là. Ma maison est... Oui, ma c'est ça là-bas. Là. On y va, hein? Si ce n'est pas ça, oui, nous sommes quoi, là. C'est ça. Fais un effort, c'est ta maison. Non, marche, non. Non, c'est pas là. Laisse-moi viens même de ce côté. Ici. Pas comme ça. Hey! Oh! Hey! Maman! Hey! Chidi! Lève-toi, c'est pas ici. Oh! Hey! Chidi! On y va, marche, non? C'est vraiment dur, tu pèses. Oui, marche, voici oui. Ma maison. Oui, encore. Aïe. Oh, Chidi. Oh, porte-moi, aïe. Porte-moi. Aïe. Porte-moi, s'il te plaît. Hey. Oh. Hey. Où est la clé de la maison? Ta clé. Mes clés de contact. La clé de ta maison. Ok, mes clés de la maison. Si tu regardes dans ces... douce maison. Les clés. Je l'ai. Oh... Tu les as trouvés. Hey.
Allons à l'intérieur. Oh, Chidi, réveille-toi, ne dors pas. Lève-toi. Vas-y. Où ça? On entre à l'intérieur. Rentrons par ici. Non, non, à l'intérieur, à l'intérieur. Laisse-moi dormir ici. Oh, ma maison. Mon Dieu. Laisse-moi nager comme un poisson. Hey, attends, je vais t'arranger, Tu sens comme de la nourriture, hein? Oh, tu dis que tu veux me tuer? La maison est la meilleure. Mon téléphone. Je sens comme la nourriture, s'il te plaît. Facilite-moi la tâche, non, je veux t'arranger. Tu fais comme un enfant. Je vais manger le riz. Est-ce qu'il faut que je te blâme? Je veux pas te blâmer. C'est comme ça que tu te traites? Chaque jour, tu pars prendre de la bière. Tu t'enivres. Tu as de la chance que je te vis. Tu allais rester là-bas, en dormant par terre. Toi. C'est quoi ton nom? Choma. Je sais. Choma. Tu veux manger? Quand tu prenais de l'alcool, tu ne savais pas que tu devais d'abord manger. Tu penses qu'Akon c'est ton ami? Akon n'est pas ton ami, oh. Regarde comment il dort. Chidi. Ce garçon n'est pas poli. De toutes les façons, je ne suis pas censée être là. Il faut que je parte maintenant. Tu as d'ailleurs de la chance que je t'avais détrompé. Parce que si ce n'était pas le cas, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Enlève-moi ces pieds ici. J'ai laissé mon téléphone. J'étais partie là-bas et puis arrivée là. Oh. Mon Dieu! C'est quoi ça? Mon téléphone!
Oui. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien. Bien. Je suis venu pour savoir si tu as un peu d'huile de palme. L'huile de palme? Non. J'irai au marché les après-midi. Tu les veux pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Parce que je sais que tu en as. Oui, je... J'ai besoin de ça pour quelqu'un. Ok, tu dois retourner après dans l'après-midi. D'accord. Donc, je dois revenir plus tard, c'est ça? Oui, non. Je vais te l'apporter. Oh oui, c'est une bonne idée. Ok, je vais t'attendre. Je ferai mieux de partir maintenant. Ok. Tu es là? Oui. Je sais que j'étais venue chez toi, mais ce n'était pas pour l'huile de palme. Je sais. Choma, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? On a fait l'amour. C'est ce qui s'est passé? Oui. C'était ma première fois. Mais nous l'avons fait. Écoute. Oui, Juma, je vais parler avec toi de quelque chose et c'est très important. Allons parler dans la maison. Non. Parlons ici. Ok, viens. Viens t'asseoir. Comment? Tu vois, ce qui s'est passé la nuit dernière. Je ne sais même pas par où commencer. Oui. C'est par là que tu devais commencer. J'étais ivre. Et ça m'a plu. Et moi également. Je voulais vraiment le faire. Je pensais que tu étais en colère contre moi. Je n'ai jamais été comme ça avec un homme avant. Tu vois, c'est donc ça. C'est ce qui nous met le plus dans la confusion. Veux-tu être avec moi? Je te connais à peine. Je sais. Moi aussi, je te connais à peine. Tu vois? Je ne sais même plus quoi dire d'autre. Je ne sais quoi faire. Mais tout ce que je sais, c'est que ce qui était arrivé la nuit dernière était... Incroyable! Était une erreur. Oui. Toute mon existence, l'homme que tu as devant toi est un homme patient, responsable. Je n'allais pas permettre que ce qui était arrivé hier arrive si ce n'était pas à cause de l'alcool. Avant que cela n'arrive, écoute-moi. Je suis seul. Nous pouvons continuer à être amis. Non, parce que tu m'aimes.
Sandra. Je peux t'expliquer. Sandra. Ma fille chérie, c'est fini. Essuie tes larmes. Je ne suis pas du tout contente. Je ne suis pas contente de tout ce qui arrive. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça va aller. Tu vas survivre. Ça va aller, ok? C'est fini. Maman, je n'arrive pas à croire qu'il est passé à autre chose si rapidement. Vite! Maman, il m'avait promis. Maman, il avait dit qu'il m'aimait de tout son cœur et qu'il ne me fera jamais mal. Oui, il l'avait dit. C'est bon, ma fille. Il a dit qu'il t'aimait, mais il ne l'a pas fait. Mais tu pourrais t'abandonner si vite comme ça ou tu ne t'aimes pas. Et ça, c'est une leçon pour toi. Pendant la période où ils étaient ensemble, il essayait de te dire que tu étais la seule femme dans son monde. Et maintenant qu'il n'est plus avec toi, il est parti avec son monde et il t'a laissé. Même si un homme pouvait croire que sans toi, il n'était pas libre, sache qu'il peut facilement t'abandonner. Alors c'est bon. Laisse-le partir. Ok, ma fille, laisse-le partir. Oui, c'est ça, les hommes. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je te disais tout ce que je te disais. Dieu merci qu'il ne t'a pas engrossé. Je t'ai dit que c'est moi ta mère. Et j'ai vu des choses, je connais. Et c'est comme ça que j'en ai fini. Tu peux imaginer? Maman. J'ai continué toujours à l'aimer. Tu continues à faire quoi? Tu as vu? Regarde, ma jolie fille. Comment peux-tu continuer à aimer? C'est tellement clair que tu dois arrêter de l'aimer. Un homme qui ne t'aime pas et toi tu l'aimes en retour, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas pleurer pour un homme qui n'a pas de respect et des égards envers toi. Tu es ici à verser des larmes et lui il est entre les mains d'une autre femme et tu pleures. Saisis-toi. Tu ne veux pas avec ta dignité comme une femme. Ozugo, Malelewan, arrête de pleurer. Ma fille, tu ne vas plus l'aimer. Ok, c'est fini.
tu dois aussi arrêter de l'aimer. Ozugo, Ozugo, c'est fini, ok? Love more, you are the air that I breathe. You are the apple of my eye. You are the love of my life. What a mama. Is it born? Is it born? Oh, boogie, come true. Obimo, thunder, fire, we will try to separate us. Basiasia, Ero, Obimo, Aruginaya. Love more, love more, love more. If you give a love in your name, love more. Show my easy one. Love more, you are the air that I breathe. You are the apple of my eye. You are the love of my life. What a mama. Is it born? Is it born? A boogie come true. Obimo, thunder, fire, we will try to separate us. Basiasia, Ero, Obimo, Aruginaya. Love more, love more, love more. If you give a love in your name, love more, show my more. Attends que je te prenne encore une autre pause. Ceci est appelé la prise américaine. D'accord. Attends. C'est très très joli. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. D'accord. C'est style. Je suis très belle. Que tu es très très belle. Oui, je le suis. Je dois te dire que tu es très très belle. Oui, je suis belle. Ciao 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 ciao. Je t'aime énormément, ma beauté. Je t'aime aussi, ma lumière. Oh mon Dieu, je me demande juste comment est-ce que ça sera. Que penses-tu? Regarde, messieurs, ne sois pas nerveux. Regarde-toi. Tu vas devenir un grand star. S'il te plaît, ne va pas là. Ne sois pas encore fier de moi. Ok, je suis en train de réfléchir. Ceci est une très grande compétition. Sais-tu de combien nous sommes en train de parler ici? Bébé, je suis déjà fier de toi. Hmm? Tu sais, J'ai ce sentiment-là au plus profond de moi que tu vas gagner. Oui, je sens que tu seras le meilleur, tu vas gagner. Alors n'abandonne pas, ok? Tu le crois donc? Je le sais. Voilà pourquoi je t'aime. Je t'aime aussi. Viens là. Mouah.
Ok, que je regarde maintenant afin de choisir la photo que j'ai. Je peux te prendre. Non, bébé, c'est moi qui vais te prendre. Tu dois être prêt. Pourquoi? Non, chérie, attends. Mais pourquoi? Tu es juste trop têtu. Je veux juste que tu souris. Hein? Je souris juste. Mmh. Allez, restez là. Les femmes d'abord. Ok. Comme ça? Ah, non, souris. Comme ça. Allez, vas-y, prends-moi ça. Bébé, dépêche-toi. D'accord, prends ça. Place de main à côté du cœur pour dire l'amour. D'accord, allons-y. Oh, c'est joli. Attends. Les symboles de l'amour. Et d'accord. Souris. Allons-y. Hein? Je t'aime. Je t'aime aussi. Attends que je voie. Non. Mon cher. Mec. Bien, mec. Sors ici, mec. Sors. Qu'est-ce que c'est? Mon mec. Ah. Prends ça. Tu as gagné, mec. Tu as gagné, mec. Hey! Tu as gagné. La compétition. Chérie, tu as gagné? Hein? J'ai gagné? Ouais. J'ai gagné? Oui, oui. Hey! Non, chérie! Bébé, j'ai gagné! Tu as gagné? Merci. Oui. 5 millions! Oui. C'est avec, avec la caméra que je t'avais acheté. Regarde ce qui est écrit ici. Tu dis, tu y es prié de participer à la grande finale. La semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. À Abuja! Merci. Bébé, tu as gagné. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Je veux qu'il te donne l'argent, non? J'irai là-bas. Bébé, nous allons partir. Je veux partir avec toi. Bien sûr. Nous irons. C'est 50 000 que j'ai gagné. C'est qui Chidi? C'est moi Chidi. Oui. Mon bébé Choma. J'ai gagné la somme de 50 000. Oui. Achiki, merci. Merci beaucoup. Merci. Tu as amené les contacts. Achiki, merci énormément. Choma. Un bébé. Mets ceci dans la maison. Un bébé. Tu mérites un plat de riz. Apporte deux assiettes. Non. Non, apporte deux assiettes. Deux. C'est un gourmand. Oui, bébé. Merci, okay. Oh. Merci. Je t'amène la nourriture. Tu as gagné, oh. Regardez-le. Mets-toi là. Pour faire quoi? Hein? Attends. Joma, apporte du riz. Apporte aussi le poisson. Achike, hein? J'arrive. Hein? D'accord. Merci pour l'information. Tu es un bon ami. Hey. Ok, je vous attends. 500 000. Donc, il a gagné grâce à mes photos. Donc, ça serait quelque chose du genre, pendant notre compétition, non, la personne qui a gagné, c'est Chidi. Oh, tu as vu? Je vous ai eu. Donc, c'est vrai. Je veux ma part de l'argent. Allez, vas-y. Donne-moi ma part de l'argent. Sandra. Content de t'avoir vu. Il n'y a rien de bon. Garde ça pour toi. Je veux mon argent. J'ai appris auprès de quelqu'un que tu avais gagné la compétition. Judy, après tout ce qu'on a eu, après tout ce qu'on a eu ensemble, Judy, je veux ma part de l'argent. Écoute, j'étais d'ailleurs en train
de vouloir venir chez toi. Hé, hey, à ton retour du voyage, n'est-ce pas? À ton retour du voyage, j'ai pas de temps pour tout ça. Donne-moi mon argent. Ma part de l'argent et que ça sorte. Sandra, peux-tu te calmer? J'ai cette volonté de te donner cet argent. Hé, hey, hey, vas-y, donne-moi ma part. Je veux la moitié. Hein? Je veux la moitié de cet argent. La moitié d'argent, pourquoi? Je ne comprends pas. Hé, hey, t'es crasse. Tais-toi, idiote. Mêle-toi de tes affaires, pétasse. Es-tu folle? Thomas, pourquoi le doigt m'appelait comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Sandra. Tu n'importe quoi. Sandra! Comment oses-tu? Es-tu folle? Sandra! Es-tu folle? Thomas, es-tu malade? S'il te plaît, allons dans la maison, d'accord? Je peux tout gérer. Bébé! Je peux tout gérer. Tu as juste entendu comment elle m'appelle? Tu ne l'es pas. Oui, c'est exactement ce que tu es. Je veux mon argent. Quand j'ai changé pour devenir ceci? Je veux mon argent, Sandra. Tout de suite. Sandra! Je ne te lâcherai pas. Sandra! Je ne te lâcherai pas, donne-moi mon argent. Oui, donc tu m'as giflé, hein? Tu m'as giflé? Hé, tu verras, tu m'as giflé, hein? Tu m'as giflé. Attends, je vais te montrer. Reviens ici, idiote. C'est pas fini. Va-t'en, va-t'en. Bébé, laisse-moi, non? Je reviendrai pour toi. Oui, va-t'en, oui, c'est bon. Ok, je t'ai entendu. Oui, je t'ai entendu. Laisse-moi, mais laisse-moi maintenant. Toi, si tu ne me donnes pas mon argent dans ce village, tu verras. S'il te plaît, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Laisse-moi, je vais la prendre. Arrête. Arrête. Allons dans la maison. Pourquoi tu es tombé? C'est bon, allons dans la maison. Hein? Oui. Ok, allons-y. Bébé. Cette fille n'a pas le droit. Je vais la couper. Elle va plus oser avec ses bêtises. Attends, toi, je vais te couper. C'est pas fini. Je vais la prendre comment vivre, non? Laisse-moi, je vais faire ça, non? C'est bon, s'il te plaît, allons dans la maison. Ok, je t'ai écouté. Attends. Calme-toi, calme-toi. Thomas. Non, chérie, laisse-moi. Jenny, allons dans la maison. Tu veux te battre avec moi? Hey! Choma? Elle croit qu'elle sait se battre. Pas de problème. Seule la mort peut nous séparer. Pourquoi est-ce que tu as permis qu'est-ce qui s'est passé puisse arriver? Mon frère, c'était au-delà de mes forces. J'ai essayé par tous les moyens d'arrêter la bagarre, mais je ne pouvais pas. Tu dois voir ça. Sandra est une très mauvaise fille. Une très mauvaise femme. Tu dois protéger Choma. Je le ferai. Tant mieux. Mec. Hein? As-tu quelque chose à boire là-bas? Vas-y, va les chercher, non? On peut aller boire. Voler ce qui m'appartient et t'en sortir? Hein? Tu croyais que tu pouvais voler mon bonheur et ma joie juste comme ça? Et t'envoler en douce comme un oiseau? C'est ce que tu croyais? Sandra! Sandra, je t'ai pas volé! Je t'en prie! Je croyais que tu savais te battre! Je croyais que tu étais une femme forte! J'aimerais bien que tu t'élèves et que tu puisses te battre avec moi! Laisse Allez, lève-toi, viens te battre avec moi! Vas-y! Laisse-moi. Idiote! Qu'est-ce que tu attends? Animal, je ne te blâme pas. Idiot,
Tu vois, tu ne peux pas t'interférer entre une femme et un homme pour prendre sa place auprès de ses enfants, son amour et son mari. Si tu le fais, elle sera prête à faire n'importe quoi. Regardez, elle est là. Oui, la voici. Je suis là. Par quelle direction? Ils vous enviaient, ils ont fui. Ok, cette direction. Partons. Venez. Cette direction, s'il vous plaît. Venez, suivez-moi. Venez vite. Est-ce que ça va? Oui, je veux bien. Ils ont dit que tu y es mort. C'est vrai? Oui. Il est en vie? Oh, il est vivant. Doucement, hein. Hé, hey, arrête-toi! Tu es en état d'arrestation pour avoir tué M. Chedi. Tout ce que tu diras ici, ça retourne contre toi par la loi. Officier, arrête-la. Elle a voulu tuer Choma aussi. Officier! Ferme-la, avance! Je suis innocente. Allez, avance! Je n'ai tué personne! Là-bas. Avance! Je n'ai tué personne, avance je n'ai là-bas. Rien fait! Je suis innocente, officier! Avance! Officier! Garde silence! Avance! S'il vous plaît, officier, arrête-la! Arrête-la, officier! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.